Tu m'as dit que c'était... Putain, j'ai plus le nom de numéro de l'épisode. 284. Voilà, comme il a dit. Bienvenue pour l'épisode 284. Je suis pas sûr, vérifiez les données. Les cops vont essayer de braver la mort. Ah. D'accord. Est-ce que elle s'appelle Shinigami, du coup? Non. Ah. J'aurais peut-être aimé aller au côté 13. Ah, oh, ça va, je mets une petite référence manga. Oh là là, pété. Est-ce que quelqu'un peut faire le résumé de l'épisode précédent? C'était il y a deux semaines, je pense. Qu'est-ce ouais, que c'était plein de petits 10-18. Qu'est-ce qu'on avait fait il y a deux semaines? Pas. Alors, il y avait eu plusieurs choses. Il y avait une espèce de pierre noire avec du sang. Et... Ah oui, le truc aztèque. D'ailleurs, une enquête que j'ai récupérée, on a été appelé parce qu'il y avait un... Je sais plus quoi, avec une maison. Ouais, c'est ça, c'est en gros, c'est le... C'est ça, il y a un... Y a un SDF qui nous appelle parce qu'il veut squatter, mais il trouve un couteau ensanglanté au palier de la porte. Donc il fait, hey, je vous appelle parce que je suis cool, je suis sorti et tout. Et donc on est arrivé, on est rentré, on a découvert une espèce de stèle aztèque de... où on a officié des sacrifices humains. Mais pas que. Mais pas que, on a surtout trouvé dans la cave de la maison des centaines de chauves-souris rares d'Amérique du Sud. Et cette saleté de l'île nous a laissé enfermer dedans pendant je sais pas combien de temps. Ouais. Pour préserver la scène de crime. Oui. Ou pour se marrer. Mais. Ou les deux. Mais... Les deux. Les deux. Les deux. Ah, vraiment. Hein, je me suis sacrifié pour vous, quoi. Ouais. Donc, il y avait ça. Il y avait aussi l'escorte d'un hacker mort depuis un an. Qui est sur aucune caméra. On n'a pas fini ça, d'ailleurs, je crois. Il n'y avait rien à finir en soi. Ah oui, non, oui. Il y avait le bâtiment désaffecté un peu bizarre avec les exorcistes. Non? Ça me dit rien par contre. Si, ça, ça oui, c'est le bâtiment où personne ne veut rentrer. Ah oui, oui, exact. Oui, oui, où on. Oui. Nous, on est rentré, on est sorti. C'est la première fois que je vois un exorcisme œcuménique en fait. Donc c'est, c'est marquant. Bah, pas tant que ça, a priori. Mais ouais, c'était à peu près, je crois, de mémoire, les 10-18 qu'on avait fait. J'en ai encore 2-3 là, qui sont majoritairement des trucs pour démarrer les enquêtes. Enfin, surtout un, ou même deux. Mais j'ai 3 10-18, je vais pas dire qu'ils sont dans la même veine, mais qui sont quand même... Ah, c'est... C'est toi pas dans la même veine. Non, pas vraiment. Alors... Il y a sur les trois, il y a du toxico, ouais. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer le... On en fait un chacun ? Non, non. Non, je tiens que mes joueurs restent quand même au bout de la campagne, et vous allez rester tous les trois ensemble. Parce que autant, il y en a, je pense qu'il y en a deux. Allez, même en solo, ça va, même si c'est plus difficile, c'est difficile. Autant, il y en a un. Je me vois pas vous y envoyer en solo. Même deux, il y en a deux. Dans deux, je vous envoie pas en solo. C'est pas possible. Mais si on est deux, on n'est pas en solo. Ah, ah, ah. Et après aussi, ça dépend de l'accordement de la guitare.
L'accordage. Oui, l'accordage. Je vais pas mettre de date là, pour le coup on est mi-août. Parce que j'ai un événement le 21 et le 22 août. Ces événements-là, je ne sais pas si... C'est un truc avec Pitbull, mais je ne sais pas s'il en parle en fait aux autres. Il faut que je relise bien le passage. Soit s'il n'en parle pas aux autres, et moi je le sais, et ça me fait les pieds. Soit bah, les papes, il en... surtout. Ouais, mais s'il en parle aux autres, en fait, pour le coup, bah, c'est intéressant. C'est pas ouf, mais c'est intéressant. Mais à ce moment-là, ça pourrait se faire a posteriori, de toute façon. Il a retrouvé Brain. Non. Proc qui a disparu. Non, c'est Brain. Brain qui a disparu. Rob... Je peux sortir une connerie ? Proc, c'est Anita. Garcia. Ouais. Ouais. Ouais, c'est Garcia qui a... C'est le gars à la voix. C'est ça. On voit pas la renommée chanteuse ou un truc comme ça, c'est plus facile à retenir. Je pensais que tu voulais la rappeler Drone ou Kazafa. Oui, bah ça, oui. Moi, je voulais sortir une connerie. Autotune. Oh, ça, c'est bâtard. Autotune. Oh, la vache. Et moi, je voulais juste rajouter que oui, on est mi-août. Ah, a priori, on a perdu le tlon. Oui, parce que j'ai... Non, presque. Mais non. Non, parce qu'on est mi-août. Eh ben, écoutez, moi, ça me fait un 10-18 de plus. Merci, monsieur Wedge. De quoi, mi-août ? Ouais. Super, encore une histoire de chat. Bonjour, monsieur l'agent, vous pouvez descendre mon chat ? Mais bien sûr, madame. Bon, voilà. Donc, matin, roll call, on reste sur du 15-23. Donc, je le fais en rapide. C'est pas le matin, du coup. Ouais, excuse-moi, mais bon, c'est 15-23, on est sur les 15-23. Donc, on fait le tour rapide des différents trucs. Donc, Lynn, il n'y a rien de nouveau, parce que t'as pas non. pris d'affaires. À l'ouest, rien de nouveau. Voilà. Juan, donc t'as cette histoire de Pierre. Exactement, et le fait de refaire tous les vaccins anti-rabique, anti-tétanique, anti tout. Il y a ça. Et je te rappelle que la pierre vient d'un musée au Mexique. Hein. Tout à fait. Elle a été volée avec plein d'autres choses. Et je te rappelle que j'ai contacté le diplomate mexicain qui est en poste à Los Angeles pour l'informer qu'on a trouvé ça. Il t'informe que vous allez recevoir d'ici quelques semaines, parce que ça prend son temps, une demande officielle de récupérer le patrimoine. Ouais, mais ça reste une preuve dans une enquête criminelle, non ? C'est toujours la problématique. Bah voilà, c'est ça, mais tu peux oui, toujours dire qu'une fois que l'enquête sera close, tu pourras... Si tu mets des diplomates dans le tas qui veulent faire un cadeau au Mexique... Ils vont te dire que ton enquête, tu peux te la carrer où ils veulent, ils rendent ça au Mexique. Disons que ça va disons, mais bon, après, c'est pas très grave. Denis, je crois pas que tu aies d'autres nouvelles enquêtes. Non, je n'ai pas de nouvelles enquêtes. Parce que le truc des exorcistes, clairement, il n'y a pas d'enquête qui s'ouvre là-dessus. Et l'autre truc qu'on avait fait, mince. Est-ce qu'on peut dire que le bâtiment exorcisé, voilà, bref. J'en sais rien, vous n'êtes pas resté. Non, mais est-ce qu'on peut dire qu'on a eu un coup de bol ? C'est ce que tu veux dire par là, en fait. Tu m'as un peu perdu, Wedge. Bah parce que nous, on rentre, on fait nos trucs, on ressort, on n'a rien. Les mecs, ils arrivent, ils se sont tués. Je suis désolé, il y a un problème. Ah oui. Et pourquoi tu dis qu'ils sont morts ? Non, enfin, il y a un accident, quoi. Oui, il y a un accident, rien à voir. Dans tous les cas, le mec qui a disparu du central... Ah oui, Je vous donne son nom parce que peut-être qu'il reviendra. Donc, le nom c'est Jess Frugato alias Machina. Vous avez besoin que je l'écrive. On peut l'appeler aussi T800. Oui. Je l'écris ? Je peux oui, comme ça. On... Alors, hop. Donc. Et officiellement, qui est mort. Depuis un an. Comment ça, il est mort depuis un an ? Bah, dans les registres, c'est marqué qu'il est mort depuis un an, le gars. Mais c'est qui ? Bah, alors, c'est un T-800. Non. Bah, il reviendra ! Le mec, en fait, que vous avez escorté et qui était pas sur les caméras de surveillance et qui était pas... en fait, qu'on voit pas sur les caméras de surveillance et qui serait volatilisé.
Ah oui, d'accord. Oui, oui, c'est le fantôme en fait. Et le truc, c'est que, en gros, comme il y a eu des relevés d'empreintes quand même qui ont été faits, et ils ont retrouvé qui c'était, et le gars en question s'appelle Jess Fugato, alias Machimina, hacker spécialisé dans la surveillance, plusieurs fois inculpé pour multiples piratages et cambriolages. Et le problème, c'est que dans son dossier, c'est marqué que ça fait un an qu'il est mort. Voilà, donc soit c'est un vrai fantôme et on a tous halluciné. Ouais, bah, il a écrit son dossier, quoi. Soit il nous l'a fait à la Ghost in the Shell Standalone Complex, et puis il a carrément hacké toute la partie de caméra du bâtiment, quoi. Il s'est auto-effacé. Ouais, ou il n'est pas tout seul. Ou il n'est pas tout seul, ouais. Mais en tout cas, voilà, c'était... Mais je crois pas que ce soit son fantôme, sinon la Dame Blanche m'aurait prévenu, et donc j'aurais eu une intuition. Je te rappelle que t'as vu la Dame Blanche le jour même. Hein. Ouais. Ça peut être qu'un coup d'un hacker particulièrement retors, c'est tout. Je peux dire quelque chose, vu qu'il s'est auto-effacé, on peut pas l'appeler Arnold Schwarzenegger, parce que... parce qu'il reviendra, et puis c'est l'effaceur. Pardon, exactement. Désolé. C'est un très mauvais film, hein, l'effaceur. Hein. Je sais, c'est vrai je que c'est sais, pas très bon, mais c'est pas grave. Alors, c'est un film qu'on peut effacer. Donc, il y a deux choses. La première, c'est que il est prévu à 21h que vous avez une descente avec le SWAT à Duarte d'une Krakauss. Ok. On va encore être obligé de se prendre les gilets pare-balles, les Hellfire et tout le truc, quoi. Oui, c'est l'idée. Ouais, mais surtout à Duarte, quoi. C'est chiant, Duarte, quoi. Ah, c'est du longueur, partout, ça. Ouais, ça tombe bien, j'ai refait mes vaccins il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'était un truc. Il vous donne une enquête. Une petite enquête. Je vérifie juste le truc, comment je le tourne. Qui c'est qui l'apprend ? Sachant que ça va pas être une grosse enquête, hein, ça va être résolu avant même le truc de Duarte. Hein. Vas-y, si je vais l'apprendre. Pas... c'est simple. Il y a... Attends, comment tourner ça ? On a besoin d'un enquêteur, donc du COPS, pour retrouver un rappeur fugitif. Qui en gros en fait bah, est recherché, plusieurs chefs d'inculpation. Ah, c'est Kanye West, il fait encore parler de lui. alors j'ai pas la liste des chefs d'inculpation, mais en tout cas le gars en fait de ce que il paraît qu'il va mener un concert en début de soirée. Ouais bon, peut-être l'intervention sera peut-être plus tard quand il y aura le temps, mais on va voir. Mais en gros il doit faire un concert. Clandestin, c'est tout ce qu'on sait, et on sait pas exactement où. On pense que c'est à South Central, mais on en est même pas sûr. Mais en gros, il faudrait trouver où est le concert, monter une intervention pour l'arrêter. Le mec échappe à la police déjà depuis 2 ans. Alors, il doit tout ça être pour violence. Il doit pas avoir meurtre, mais pas mal de chefs d'inculpation, associations de malfaiteurs, gangs, etc. Enfin bon. Trafic d'armes, appel à la révolte, de ce que je vois. Ouais. Oui. Ah, excuse-moi. Ouais. Ok. Oui, le gars, en fait, bon, en dehors de faire des provocations, c'est surtout qu'il veut faire la révolution et il a déjà fait des coups d'éclat assez violents. Par contre, c'est pas marqué s'il a déjà eu fait des morts, mais il est considéré comme dangereux. Mais en tous les cas, en gros, il demande à quelqu'un, à toi, Lynn, d'essayer de débusquer le truc. Ouais. Potentiellement, ils ont déjà deux unités du risque qui sont prêts à intervenir. Donc, de l'anti-émeute. Ouais, mais je les aime bien, moi, parce que j'ai l'amour du risque. Oh, oh. Eh, tu vas bientôt monter une agence. Seigneur. Mais du coup, tu t'appelles pas Jennifer ? Bah non. Désolé. Jonathan d'ailleurs, mais... Non, il te faudrait un Jonathan du coup. Donc en fait, on va envoyer des flics dans une espèce de foule qui va hurler, chauffer à blanc, nique les keufs et bute les flics pour arrêter le principal artiste du truc. Bah, chauffer à blanc, c'est pas dit. Hein. On en a pas beaucoup, hein, mais...
Je ne sais pas, je ne sais pas où ce plan peut merder, mais bon. Ouais, moi je vais sur scène, je le battle. En rap. Tac, je le bats, tu vois, je l'humilie, il change de carrière et on l'arrête. Ça ressemble à un mauvais film des années 80, c'est tellement horrible. Mais dans tous les cas, ouais, la municipalité appuie l'opération. Parce que bah, ils crachent majoritairement sur la municipalité. Mais faut pas que on sache trop, quoi. Bah, bah, pourtant, c'est écolo s'ils crachent. Ils ont les arbres. Celle-là, je me l'avais jamais faite, putain. C'est dégueulasse. Oh la vache. Crash, c'est écolo. Bah, je vais textoter mes contacts et je demande à mes camarades de faire de même pour essayer de trouver où est le concert. Qui déménage? Non, c'est juste une boîte qui s'est pété la gueule. Et maintenant, j'ai des D6 partout dans ma chambre. Ah. Ça aurait pu être pire, hein, c'est pour que je faisais des 4. Hein. Mais là, tu m'as entendu gueuler, en fait. Pardon de faire rigoler. Bah, pourquoi? C'était drôle. Oui. Alors. Bah, t'aurais pu t'entraîner à faire le fakir, quoi, mais. Je me sens pas. Ok. Et l'autre truc, on va voir comment je le prépare, l'autre. L'autre, je pense que ça peut être une intervention, donc. Ouais. Ouais. Oui, l'autre, ça va être beaucoup plus simple. Parce que ça, c'est un appel, et c'est vous qui arrivez sur place pour voir ce qui se passe. Ok. Bon, bah. Lynn, t'as sous tes ordres deux officiers de police qui peuvent t'aider aussi dans ton enquête. Ah bah, je leur demande de contacter leur indic pour essayer de trouver où se trouve le concert. La question, c'est est-ce que vous ciblez des indics en particulier d'abord? Pour gagner bah, du temps, déjà, je tous ceux qui sont à sa centrale. Mmh. Ça me semble pas mal. Après, moi, j'ai contacté aussi le journaliste People. Ouais. En plus. Bah, typiquement, le mec qui est sur les quais, qui est russe, je m'étonnerais qu'il soit au courant. En effet, c'est pas vraiment. Voilà, je vais demander déjà à tes collègues en termes de contact s'ils ont des gens à qui ils pensent. Alors. Mort. Non, ouais, c'est à peu près ça, mais où est-ce qu'on pourrait trouver ce genre de choses? Je regarde mes contacts, moi, mais. Non, ouais, tu connais un mafieux, un chef de gang. Alors. Un chef de gang, oui, maintenant, est-ce non. que c'est vraiment le truc? On peut toujours lui poser la question, mais j'y crois absolument pas. Mais écoute, bon. C'est Gino toujours, enfin, c'est toujours le même. Ouais, c'est lui, c'est Gino. Gino, je vais faire un rapport assez court. Oui, il a entendu parler du concert. Il paraît que ça va être un truc de fou. Mais que, bah. Non, il sait pas où c'est. Ok. Bah, si jamais il récupère des infos, qu'il pense à moi, et comme ça, je refile déjà. Quelques bifetons pour le remercier déjà des informations données. Mais ce genre de concert, vu que c'est. Ça va se faire forcément dans une cave ou une connerie comme ça. Ouais, ou devant la tour d'Arasaka. Ou dans la tour d'Arasaka. J'ai l'air. Si ça va être un truc d'enfer, ça risque d'être dans un endroit où tu peux réunir beaucoup de monde. Ça m'étonnerait pas que ce soit. Dans un stade, ou un toit, ou. Ou dans un truc paumé, en plein milieu de. Ouais. Dans un central, hein, donc ouais, a priori. Donc, bah, disons que c'est plutôt son quartier. Maintenant, après, ouais. Ça pourrait être délocalisé, ça serait pas déconner. Je demande à ma coloc aussi, qui est journaliste, peut-être qu'elle en a entendu parler, peut-être qu'il y a des gens qui sont fans à sa radio. Alors clairement, comme ça, non. Il faudrait que, pareil, elle va devoir se renseigner. Obi ? Oui. Tu as demandé à Santana, c'est ça, hein ? Journalist à People. Santana. Tu as dit Journalist People, parce que tu sais, Joey R. Santana, tu sais, le journaliste qu'on avait eu dans les pattes sur une des premières grosses ouais. enquêtes.
Tu veux dire un journaliste qui a été avec vous au Canada? Ouais, il a survécu. Oui. Oui. Oui, il a survécu. Oui, c'est lui, ouais. Oui, c'est ce que je pensais, de toute façon. Bah moi, à part demander... J'ai un contact de 1. Oui, bah pareil, donc. À part demander à ma femme si elle est au courant de quelque chose, ou peut-être un de ses collègues. Spécialement. Elle est journaliste sportif, mais voilà. Donc, elle a 2 en showbiz, ma coloc, hein. Ouais, ouais, bah oui, mais là on est sur l'underground, hein. C'est pas vraiment du show. Ah, il y a. Oh. Y a Jesse. Matcher, hein. Y a Jesse Markson. C'est qui? Parce que. C'est un journaliste sur l'affaire du sénateur. Un journaliste quoi, je sais plus. L'affaire du sénateur, un journaliste, je pense pas que ça soit son credo, pareil. Ouais, par contre, ouais, par contre, les gangers de South Central, normalement t'en as un ou deux de mémoire au bip. Oui, bah j'ai un néo-corléoné et un Crips. Ouais. Bah, ça va être le Crips qui va en connaître un peu. Le néo-corléoné, pas trop. Randy Anderson. Alors, bah, le Crisp, il va te demander quelque chose, quoi, en échange. Genre, du pognon. Oui, bah... Moi, je trouverais plus rigolo que ce soit du riz, mais bon. Non. Non, c'est non. Je suis même pas sûr que ça existe encore. J'ai eu. J'ai toujours essoufflé là. Ah oui. Ouais. Voilà, bien sûr, on en trouve encore. Tu fais pas les courses, hein, ça se voit. Mais... Disons que c'est pas les rayons que je m'arrête en fait. Je m'achète pas de céréales, donc je vais pas voir ce qu'il y a en céréales. Ça doit encore exister, on essoufflé, ouais. Si, j'en ai acheté il y a 2-3 semaines, donc non. Alors. Clairement, ça fait marrer, France, parce que le mec il va te demander. Randy Anderson. Il va te demander comment ça s'appelle une somme d'argent. Il te le dit clairement. C'est la somme d'argent. Elle est à la fois pour lui, mais aussi pour avoir les renseignements, pour graisser quelques personnes, parce qu'il en a entendu parler et il sait où obtenir, on va dire, des places. Mais pour ça, il faut qu'il les achète. Et quand il les aura achetées, il pourra savoir où c'est. Oui, bah ouais, bah il va m'en prendre pour moi, hein. Lui, il va pas y aller, parce que sinon. Il te rappelle dans la journée. Pour le moment, il va se renseigner et il va t'envoyer la. Il va te demander la facture, la facture en liquide. Oui, bah bien sûr. Et Denis, tu veux pas investir dans du matos d'enregistrement? Il va te demander 1000 balles en liquide. Le plus tôt possible pour pouvoir faire ça. Oui, bah on va faire ça. Je vais donner. Ok, bah tu me retires 1000 balles. Il dit qu'il te rendra la monnaie. Ouais. Oui, on y croit. Pardon. J'allais dire, Denis, tu veux pas investir dans du matos pour enregistrer le truc? Pourrait vendre des copies du concert pirate. Pourrait faire quelque chose. C'est pas con ça. Eh, qu'est-ce que tu crois? Avec Lynn qui monte sur scène à ce moment-là? Ouais, avec la battle, on va faire le truc, ça sera le seul. C'est tellement fun. Là, j'ai lu le truc, moi. Je me dis, ouais, ça va être chaud quand même. À la battle, elle porte bien son nom, hein. Ça va être directement un coup de flingue sur la scène, ça va être... Ok, donc vous vous donnez un rendez-vous. Il te demande 2-3 heures. Pendant ce temps, on va faire un autre petit 10-18. Ouais, on peut. Il demande 30 secondes. Hop. Voilà. Ok. Bah, 1000 $, Juan, ou... 2 places de concert, ça fait Charles pour concert quand même. M'étonne. Je pense que surtout, il se fait plaisir, le gars. En même temps, au passage. Mike, il est pas là. Denis, il a rien. C'est quoi? C'est Juan qui a les trucs. Donc Denis. Mm-hmm. Ok. Détective Akilian est appelé avec ses camarades. Tac tac, c'est où? Venice Beach. J'essaie de retrouver le. Non, c'est pas Venice Beach. J'ai pas le. Ce qu'ils disent, c'est dans la c'est demeure de telle coin. Personne. Il me fait un peu les pieds parce que j'aimerais bien savoir où est cette demeure. Bon, ça va être. Bon, c'est tant pis. Ouais, ça va pas être Beverly Hills, mais ça va être un quartier proche et assez chic, mais pas non plus.
Donc, on t'explique que c'est pour un multiple homicide et que tu vas être le COPS chargé de l'affaire. Donc, de venir sur site et de venir prendre des indices, tout ce qu'il faut. D'accord, je m'équipe de mon sabre laser. Bah, sur site. Oh putain. Je vais aller me pendre, je reviens. D'accord. Bon. C'était mauvais, hein. Voilà, c'était oui, mauvais, non, non, hein. Je sais, mais je cherche pas. Donc, tu arrives sur site, il y a déjà des voitures de patrouille qui sont là. Tu nous prends en suppléant ou tu vas tout seul? Vous êtes avec moi et c'est même toi qui as conduit parce que je sais que t'adores ça. Oh, c'est trop cool. Je vous demande à tous les trois de me faire un petit jet de scène de crime. Je décris après ce que vous voyez. Et de perception et de scène de crime. Green, et oui, avec le... Petite mallette. La petite mallette qui va bien. Faut vraiment que je me fasse un soft pour lancer les dés à distance. Hein. En général, je me lever. Va... Oh, je n'ai que il deux va succès. Faire une télécommande. J'ai pas vu ton jet. Moi, j'ai vu aucun jet pour le moment. Ah, pour moi, j'ai envoyé en MP. Oui, tu me l'as envoyé en MP. Alors c'est cool, je vois ton jet, mais personne d'autre. Ah merde, pardon, oui, j'ai pas pris en commun. C'est, tu as fait deux belles réussites, ce qui est pas mal. Ah non, mais c'est pas la bonne syntaxe. Comment ça, j'ai... Je suis du S5R. Ah la vache. Waouh, on fire, Denis. Denis, il a les yeux laser. Mais ah, c'est pas elle a les yeux revolver à la base. C'est Lynn, ça, c'est pas Denis. Ah, oui. J'ai oublié... Donc, vous êtes dans la demeure de Afshtag Pachar, dirigeant d'une importante société de taxi. D'accord. Clairement, il y a du monde qui est rentré par effraction, vu la gueule de la porte et des fenêtres. Il y a 9 personnes dans la salle à manger en tout, donc à savoir la famille et les domestiques de la personne, et tout ce beau monde a été torturé puis mis à mort à l'arme blanche. A priori, ils sont passés plusieurs jours ici. Hein. Ça me rappelle quelque chose. C'est un accident. je lis. Hein. Le cadavre du maître de maison indique qu'il a subi les pires sévices et souffert le long martyr avant d'être égorgé. Le légiste chargé du rapport a précisé d'ailleurs qu'il n'avait jamais vu un tel déchaînement de sauvagerie. Et c'est chose. À peine croyable, mais. Ils ont massacré aussi les gens autour. En fait, tous ceux qui ont pu passer, en fait, ils se sont fait défoncer. En fait, hein. Ils ont pillé tous les objets de valeur. Et il y a des traces partout. Mais quand je dis partout, il y en a beaucoup trop de traces, en fait. Mais ça me rappelle quelque chose. Paraphraser cette célèbre réplique du premier film avec Freddy Krueger, où est le médecin légiste? Dans les chiottes, il dégueule. D'accord. Lynn? Oui. Est-ce que je vois des traces de plusieurs personnes ou d'une seule personne? Ah non, non, plusieurs personnes. Et, c'est pas moi qui fais ça. Hein. Non, je suis pas arme blanche. Donc, du coup. Pas encore. Moi, je tique un peu parce que vous avez parlé de couteau. Hein, donc... Non, c'est parce que je pensais que c'était potentiellement lié au gars là que tu cherches au couteau. Non, c'est pas Lynn, c'est non, 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 c'est pas le, c'est pas son modus operandi de base. Donc. J'ai une victime à la fois. Wedge, au vu du jet que t'as fait, il y a plusieurs relevés que tu prends qui sont des traces d'éjection. Ah, super. Aussi sur la scène de crime. Donc, il y a un siège éjectable. Et pas humaine. Hein? De déjection. Oh non, tu vas pas nous refaire le coup de l'arbre mutant quand même. J'ai dit juste pas humaine. J'ai pas dit autre chose. Ouais, mais bon. Ils sont attachés, t'as dit. Et l'arbre mutant, c'était un humain pour le coup. Est-ce que le fait qu'ils soient attachés, ils auraient pu se faire amocher par des rats ou des trucs comme ça après, en fait. Post-mortem, carrément.
Ce qui expliquerait que ce soit encore plus dégueulasse. Non, je dirais qu'après que... De ce que je comprends de la scène, et de ce que je comprends de ce qui s'est passé, parce que j'ai pas énormément d'éléments pour le moment, si ce n'est que je sais qui a fait quoi. Je dirais qu'il y a pu avoir quelques sévices, comment on appelle, post-mortem, mais le problème, c'est que des sévices tout court, il y en a beaucoup trop, en fait. Je veux dire, c'est comme s'il y avait plusieurs personnes en même temps qui faisaient des sévices sur quelqu'un. Ah non, pas en même temps. Non, non, ils ont pris leur temps, t'inquiète pas. Ah ouais, donc ils ont fait le premier, puis grosso modo, le crime de l'Orient Express, mais au lieu de le faire en une nuit, ils l'ont fait en 6 semaines. Ouais, alors une semaine, je dirais, de ce que je vois. Une semaine, je te dis, hein, torturé, puis mis à mort, à l'aide d'armes blanches. Et toute la famille. Il y a des mineurs dans le truc. La famille, c'est... les enfants, les... ah ouais, carrément. Et les domestiques aussi. Il y a des traces de morsures sur les corps. Il y a des traces de morsures. On peut identifier l'animal ? Comme ça, non. Malheureusement, il va falloir faire. Non, mais t'as des empreintes dentaires maintenant. Oui. On va faire un peu plus d'analyse. Mais ouais, il y a. Ouais, mais enfin, si le l'animal, si jamais fait poser une couronne, t'es dans la merde, quoi. Bah, le roi lion, il a forcément une couronne. Ouais, enfin, si c'est une hyène ou un guépard, t'es dans la merde, quoi. J'aime bien l'histoire du roi lion. Pas de droit divin, quoi. Mais ça paraît. Alors, il doit vraiment en vouloir en plus à toute la famille pour enfin faire un truc pareil. Alors, comme je dis. Ouais, j'aurais compris un assureur, mais oui. Un conducteur de taxi. Oui, c'est le mec. Son boulot, c'est dirigeant d'une importante société de taxi. Bon, oh, faut voir s'il a pas licencié quelqu'un de façon un peu sale récemment. Ouais, mais alors quelqu'un, le mec va pas raboter 50 personnes pour passer, enfin pour tuer et torturer pendant une semaine toute une famille, quoi. C'est un peu. Alors, je continue ce que je disais sur le truc. Les gangers devaient se croire intouchables puisqu'après avoir massacré les habitants, ils ont ravagé la maison, pillé tous les objets de valeur et laissant derrière donc eux on des, charge des gangers. Trop nombreuses pour être répertoriées. Bah oui. A priori, oui. Mais c'était sûr, en fait. Les gangers sont du moins un groupe à la fois nombreux, pas très organisé. Ça ressemble beaucoup à du gangers, de toute façon. Hein. Mais ouais, mais est-ce que ça veut pas justement camoufler comme quoi c'est du gangers, mais en fait c'est pas du gangers, c'est des gens super intelligents. C'est toi le chef de l'enquête, hein, tu fais ce que tu veux, c'est hein. Des hommes des sables. Ah non, c'est. Si, c'est toi. Ah non, c'est pas des hommes des sables, c'est pas des hommes des sables, ce sont des stormtroopers. Bon. On passait pour des hommes des sables. Voilà. Il y a beaucoup trop de références ce soir, je trouve. À qui la faute? Ah oui, moi. Donc, qu'est-ce que tu as comme idée? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi comme gangers qu'il y a dans le quartier? T'es dans un quartier plutôt chic, en fait, mais t'as une bonne partie de la communauté indo-pakistanaise qui, d'ailleurs, est en train de manifester devant la maison parce que bah ça s'est ébruité ce qui s'est passé et qui font bien savoir qu'ils sont pas contents. D'accord. Je vous ai compris. Ah non, ça c'est autre chose. Une idée éventuellement, en discutant avec un légiste, est-ce qu'on pourrait déterminer si les mecs qui ont fait ça n'étaient pas carrément sous l'effet de substances, mais complètement pétés au crack, quoi, qu'ils l'ont joué médiéval parce qu'ils étaient bien. Le légiste, il va dire c'est carrément possible, mais c'est carrément possible qu'ils étaient complètement conscients que c'est des monstres. Ouais, mais ça fait beaucoup. Ouais, il a pas d'éléments pour s'il en trouve, un examen, je pense. S'ils trouvent des substances bizarroïdes, etc., qu'ils n'hésitent pas à nous le faire savoir aussi. T'inquiète pas. De la poudreuse. Est-ce qu'il y a des caméras dans la maison, dans la villa? S'il y en avait, elles ont été arrachées. Et le système, il est parti avec les caméras. Alors, ils ont tout pillé. Hein. Pour le coup, ils ont vraiment tout pillé. C'est le sac de rhum, quoi. Vous faites quelques recherches, je suppose, sur le type. Ouais, voir un peu dans quoi il traînait ou des trucs comme ça, quoi. Si, ou ouais. S'il y a une enquête sur le cul, quoi. Vas-y, fais un petit jet de sang-froid, instant flic, ou non, sang-froid, comment ça s'appelle? Non, informatique. On servait en même. Pas pour tout le monde. 3 réussites.
Ouais, bah ça me va, je vais pas demander plus. Ce que tu vois, c'est que... Ah bah... A priori, y a eu des enquêtes sur le gars. A priori, il devait avoir des activités illégales qu'il aurait à côté de sa société de taxi ou des transports un peu véreux. Et surtout, en fait, il est sur ce nom, en fait, il y a une autre affaire qui ressort, celle d'un certain Walid H. Pachar, qui est donc même nom de famille, qui est mort étranglé il y a de ça quelques... Prenez ses mains et allez les mettre autour du cou. Ah ben non, il est déjà enterré, l'autre. Zut. Mais bon, bref. Soit il est mort étranglé. Ouais. Alors, on n'a jamais trouvé qui c'était. Bah non. Et pourtant il y a eu le test sur lui ou quelque chose comme ça ou tout le monde de sa famille. Le test de la taille des mains en fait. Sauf s'il a été étranglé par. Sauf s'il a été étranglé. J'ai pas le détail. Mais je suis très compliqué quand même. Ouais. Je pense qu'il est tombé au mauvais endroit, il s'est fait tuer, il a bavé que son cousin, oncle, machin, était plein de thunes, et voilà. Et puis les mecs, ils ont monté une opération pour aller... Je t'ai mis les deux noms dans le chat, pour que tu puisses les récupérer. Parce que ça va continuer la story avec ça. Et du coup, ensuite, on va trouver le grand-père des deux qui a été tué par une balle dans le cœur, à tel endroit... Ouais, ok, d'accord. Non, bon, hop. non, je sais pas. C'est l'intuition policière, tu peux pas comprendre. Pardon, Kram, t'as dit. Est-ce que tu fais autre chose dans cette maison avant de boucler la scène? On a tout fait, on a fait toutes les pièces, machin et compagnie. Ouais, bah... On a vraiment pas. On a fait la cave, les toilettes, on a des déjections. Il y a des traces de voiture dehors? Il y a plusieurs traces de voitures. On les ramasse, on les photographie. Ouais, ouais. On les plaque aussi. On va demander aux voisins aussi, parce que peut-être qu'ils ont vu quelque chose. Oui. Bah, du coup, alors, oui. Le gars avait une belle baraque et c'était un peu isolé. Et les voisins, non, ils ont rien vu, ils ont rien entendu. Mais ils avaient la musique à fond pendant 2 semaines. J'exagère un peu, mais en fait, ils veulent pas parler. En même temps, vu ce qu'a eu la famille, on peut comprendre qu'ils soient pas très chauds à causer. Bah, techniquement, ils ont rien vu, hein, les voisins. Hein. Enfin, c'est ça. On peut aller voir la scène de crime. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la communauté, c'est marqué, hein, la communauté indo-pakistanaise qui est là, quand elle vous voit sortir de la maison, après, ils ont l'air d'être assez au courant de ce qui s'est passé dans la maison, vu que ils sont là, il faut les arrêter. Chiant, mais c'est une communauté indienne ou pakistanaise? Parce qu'ils s'aiment pas beaucoup, hein, les deux. Hein, moi aussi, j'y peux rien si le mec du bouquin, il a mis indo-pakistanaise avec un tiret. Qu'est-ce que j'y veux, pour le coup. Moi aussi, ça me fait un peu bugger. Mais bon. Donc, elle exige que la police retrouve rapidement des coupables. Et petit jet de perception instant flic. Je vais faire une petite recherche sur le terme, là. 4. Et du coup, moi je leur dis, je vous ai compris. Et puis voilà. Beaucoup trop de rêves, désolé. Ouais. Bah, c'est déjà la deuxième que tu fais à lui, hein. Donc, ce soir. Non, mais c'est pour c'est face à la foule pour leur dire, je vous ai compris, je vais arrêter les gens, vous en faites pas. Ouh, bah, c'est mauvais, hein. Voilà. La vache, elle est en forme. Ou pas. Denis, oui. Toi, il y a quelque chose qui titille l'oreille, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui te demandent, qui te disent, ouais, est-ce que c'est bien les Dacoits qu'on fait le coup? Les Dacoits? Voilà, je te mets, le, je remets. Oui, non, je l'ai vu. Voilà. Mais c'est non, mais c'est Denis, les Dacoits. Je te laisse valider le terme. J'ai vérifié si le terme était trouvable et oui, il est trouvable, donc ça me va. D'accord. Bon, je vais googlifier ça. Ouais. Et je te laisse la lecture pour les tes camarades. C'est une traduction, c'est ça ou quoi? Vas-y. Alors, les Dacoits. Les Dacoits, en Indie, ou. Ouais, bon, bref, voilà. Sont en Inde une bande armée organisée de brigands formés la plupart du temps par des paysans dépossédés de leurs terres ou des hors-castes intouchables. D'accord.
En gros, ils s'attaquent aux trains, parfois aux voyageurs en automobile. Ils livrent des véritables batailles rangées contre les forces de police ou l'armée appelée pour les réduire. Bien que leur nombre est beaucoup diminué, ils représentent un certain danger, particulièrement dans le Bihar et dans la région du Chambal, où ils profitent de la confrontation et du terrain des jonctions des trois états, le Rajasthan, le Madhya Pradesh et l'Uttar Pradesh, pour échapper aux poursuites. De bandes de. Du coup, vu la région certaines... avec les boss, je suppose qu'ils ont un peu les boules. J'en ai marre. Oh putain. Des bandits, des Dacoches sont aussi présents au sud du Deccan. Et pour le coup, ouais. Les articles convexes, hein, les thugs. Hein, aussi, qui sont. Mais on fait pas partage. C'est pas les thugs, pour le coup. Mais en gros, c'est. Ouais, c'est. Voilà. Après, dans la fiction, on en parlait. Dans Bob Moran. Mais bon, c'est... Pardon, excusez-moi. Je me suis mis à chanter. Donc, après, bon, attention, hein, pour les gens qui écoutent, c'est un article Wikipédia qui ne cite aucune source, donc qui peut contenir des informations erronées. Voilà, il n'y a réellement aucune source, pour le coup. Hein. C'est... Ouais, donc... Ok. Mais en gros, ouais, la traduction, c'est brigands d'Inde formant des bandes armées organisées. Ok, ok. Ah, attends, s'ils ont perdu leur terre... Alors, on cherche peut-être un chauffeur de taxi qui a perdu son taxi. Si c'est comme roi des les voitures de police, c'est dans la merde. Clon, je te déteste. Ouais, on cherche un Corben Dallas, quoi. Bref. Une nuit, ton fil au vert. Pour le moment, j'arrête là sur ça. Le seul élément que tu auras en plus par les relevés des experts, c'est que les traces de déjection que tu as trouvées sont des déjections plutôt animales, sûrement singes. Oh, je suis habitué. parle pas trop vite. Parce que, un, tu l'as fait. Une meute, je suis pas sûr que ça soit la même. C'est ça. Alors, du coup... Les deux, ils t'ont pas chié dessus. Hein. Donc, C'est pas faux. Du coup, c'est comment c'est du... C'est potentiellement des paysans dépourvus de terre. Est-ce qu'il a fait des... On faudrait qu'on vérifie dans ses achats ou des trucs comme ça, enfin, achat de terrain ou des conneries comme ça récentes. Ou je sais pas, peut-être qu'il a acheté un immeuble d'appartement et qu'il a viré tout le monde pour tout refaire et relouer derrière. Note-toi dans un coin quand tu continueras l'enquête. On va avancer sur les indices du rappeur, là, pour le coup. Ouais. Mais garde-toi tes idées, on les fera une autre fois sur ce truc-là. Mais t'as un début d'enquête sur ça. Ok, je me fais un Word à côté et puis basta. Bon, le rappeur. Clairement... Ton contact Lynn te dit qu'il pense savoir où c'est et il peut réussir à faire entrer une personne, mais faut pas qu'elle soit blanche en fait. Ça va juste pas être possible à l'entrée en fait. Bon. Bah, je peux me déguiser. Alors, je veux bien si déjà il est au-dessus de 3 en déguisement. Ouais, mais c'est pas bien le blackface. Et j'allais le faire, mais je n'allais pas là. Pardon. Ouais. Bah, je me déguise en blanc. Non. What? Non. Non. Coordination, éducation, réflexe. Sang-froid. Sang-froid. Ouais. Sang-froid, déguisement. Ça sera aussi. Ah, 5 succès. Bon, tu te déguises et potentiellement tu pourrais entrer. Par contre, il te dit clairement. Alors, il te rend la moitié en fait de ton pognon pour le coup. Cool. Parce qu'il te dit que il s'est déjà pris une part dedans et que en fait l'entrée n'est pas payante. Il pensait qu'il aurait dû payer. Il a payé quelques personnes pour avoir des infos, où c'est. Mais l'entrée n'est pas payante à partir du moment où tu montres que tu fais partie du mouvement, quoi. Et donc il te fait rentrer si besoin. D'accord. Donc t'as compris, il faut être dans le groove. Il faut être dans le mouvement. La question surtout, c'est t'as deux unités du risque qui sont en attente. Comment vous allez vous organiser, sachant qu'en gros il sait que ça sera sur Watts. C'est pas exactement où sur Watts, dans le quartier de Watts, mais il sait que ça sera là.
Donc, les gens vont être prévenus par SMS au dernier moment de l'endroit. Je devrais pas dire, mais s'il va y avoir beaucoup d'hommes sur Watts, il faut s'attendre à la résistance. Oui, sur Brawatts. Non. Les Watts, c'est pas l'utiliser la résistance. Hein. C'est le non, c'est pas de les hommes. Hein. S'il y a beaucoup d'hommes sur Watts, il y aura de la résistance. Oui, oui, aussi, c'est oui, c'est, ouais, c'est une histoire électrique. Oh putain. Oui. T'avais pas compris, monsieur Wedge. Oui, non, non, mais je sais pas pourquoi j'ai dit Sandra Watts. Peut-être parce que j'ai joué à Cyberpunk récemment, et puis je crois qu'il y a une nana comme ça. Ça ne dit rien du tout. Mais bon, c'est pas grave. Je confonds avec le début de la mission. Je sais plus. Donc. Qu'est-ce quoi, qu'est-ce que. Ben, les unités du risque, on les met à proximité, voilà, et puis Denis et Erwan, ils vont être dans la voiture civile, mais avec leurs uniformes, et enfin, avec leur protection quand même, ou enfin, ils se démerdent. Et on va leur demander. J'ai une question importante. Le quartier et de Watts. Rien qu'ils viennent. D'accord. Le quartier de Watts, c'est au milieu de South Central, et c'est un quartier où tous les matins, sur les tours de Watts, on retrouve des cadavres que les policiers du coin décrochent. D'accord. C'est un des quartiers les plus pourris dans l'univers de LA. De Cops, je veux dire. Et c'est là où il y a les grandes structures en métal. Je sais pas si tu vois à quoi ça ressemble ou pas. Bon, je sais pas si j'ai une photo à mettre, attends, de Watts. Non, mais en attendant, je fais hey, « Juan !» Quoi? Véhicule! C'est le quartier pour! Ah ouais, je peux prendre mon véhicule? Ouais, on peut être à deux dedans, ça va être cool. Alors, c'est marqué police en gros dessus. Hein. Ah merde. C'est pas que je veux vous casser votre délire, mais je suis pas sûr que ça soit le meilleur véhicule pour vous infiltrer au milieu de South Central. Alors, on a jamais dit qu'on voulait s'infiltrer en fait. Il y a qu'une personne qui s'infiltre. Ouais. Après, j'aurais peut-être passé un coup de fil au mec du risque, quand même. Bah, de toute façon, tu prépares ton truc, donc si t'as des choses à lui dire, vas-y. Hein. Parce que si je rentre dans le truc, qu'il y a 2000 personnes, que je coffre le rappeur qui doit faire le concert, et que je sors, ça va peut-être pas se passer pour moi. Non, je pense pas c'est qu'il pour sortira ça que nous... à ce moment-là. C'est pour ça que nous, on est là avec petit véhicule. C'est ça. En plus, Denis, qu'est-ce que tu dirais de laisser Lynn rentrer, on l'enferme dedans pendant un quart d'heure, et après, on va la voir. Moi, je trouve que ça serait une bonne réponse. Ah ouais, moi aussi. Je vais pas venir, celle-là. On lui dit, t'inquiète pas, on est là dans 5 minutes. Ouais, mais dans 5 minutes, je suis morte. Ah, ok. Bon, bah, 4, alors. Alors. Si t'as peur, pense que c'est des chauves-souris, ça va t'aider. Oh l'enfoiré. Merci, Hitler. Alors, je vous trouve une petite image, juste pour vous montrer. Ouais, mais il n'y aura pas de scène de crime à sauver. Non, il y aura peut-être que Lynn à sauver, si elle peut s'en sortir. C'est ça, Bah non, l'autre, en fait, non, l'autre, on s'en fout. Collé, voilà. Alors, je vous mets ça dans Cops. Il est où, tac, Rollistim. Il est là. Hop. Je vous mets une, deux, trois images. Enfin, il y en a une, c'est l'image du quartier, mais... Ah, ça ! Ah ouais ! Donc, dans l'univers du Cops... T'imagines que chaque matin, il y a des cadavres qui sont accrochés à ces tours. D'accord. C'est joyeux. Ouais, youble. Que du bonheur. Vraiment. Bonjour, j'en accrocherai un là-bas aussi, moi. Putain, j'en ai marre. D'accord, si tu veux. Ouais, je soupçonne Lynn de les accrocher elle-même, en fait. Bon, c'est... Donc on est d'accord, hein, on laisse Lynn 10 minutes avec les... menotter le rappeur, c'est ça hein. Alors, c'est pas Lynn qui les accroche, hein, c'est le vigilant. Bah, du coup, la question, j'essaie d'avoir des plans un peu... comment dire l'idée, c'est de peut-être choper le rappeur au moment où il va se barrer de l'événement. Ouais, ça serait peut-être plus simple, en fait, parce que je pense que si t'essayes de l'arrêter alors qu'il est sur scène, ça risque d'être très compliqué.
Oh, tu fais le, alors, tu fais le à côté de ça, t'as un lieutenant donc, du risque qui, lui, te dit que... on lui a dit clairement que le rappeur, dès qu'il est en vue, faut le choper, hein, parce que c'est pas la première fois que la police, le LPD essaie de l'attraper, et qu'à chaque fois qu'on a essayé de l'attraper, il s'est barré. Et tu sens que le gars, c'est pas la première fois en fait qu'il court après. Il a un petit ressentiment qui te fait dire ça, l'expérience. Autre possibilité. Et le seum du mec aussi. Ouais, mais alors après, il est gentil lui, mais bon. C'est ce qu'il te dit. Ouais. Il va y avoir beaucoup trop de monde dans un concert, on peut pas agir librement, quoi. Je dis qu'il a. Bah là, il a deux unités du risque, à la limite, donc ça fait 10 personnes. Et il peut avoir, à la limite, la nouvelle équipe là. Comment ça s'appelait déjà ce Big Bang, non, je sais plus. Ouais, bon, ouais. Voilà. Et la nouvelle équipe du Big Bang qui peut aussi intervenir. Et qu'on même insister parce que ils vous connaissent. Ce qu'on pourrait faire, c'est faire une diversion. C'est-à-dire dès que je le vois, vous lancez une opération, ça fait diversion et nous, on est discret, on s'infiltre et on suit le gars et on le chope. Donc pas de gros 4x4. Bah si, le risque oui, mais. Mais c'est Juan qui va être déçu. Pense au gros 4x4. Bah après, pour se barrer du quartier, il vaudra un gros 4x4. Ah, oui, mais pour rentrer dans le quartier avec un gros 4x4 où il y a marqué police dessus, ça va pas le faire. Police, non. Milice. Sinon, il y a ma vieille caisse hein, pour rentrer dans le quartier discrètement. Oui. Moi, je partirais là-dessus. Je partirais sur... Et casse pas trois pattes à un canard, mais quand on donne le top, il lance un assaut de diversion. Mmh. Et nous, on va le choper. On va le choper de façon. Mousse. Ouf, ouais. Bon, par contre, s'il a une arme sur scène, police lui tire une balle, et en même temps, les deux camions du risque rentrent dans la foule. Hein. Sinon j'ai une autre idée. Alors, il a une arme sur scène, tu me laisses faire. Sachant qu'il vous dit en termes de camion, donc si on part sur 3 unités du risque, il a 4 véhicules. Parce qu'il en a prévu un pour les cops en fait. Donc techniquement vous avez un L4. Donc les camions d'intervention du cops, les trucs ultra blindés là que le SWAT et le risque utilisent. Pourquoi le truc passe à travers des murs, oui, si le mur est pas trop épais. Ouais, donc je comprends mieux l'histoire de l'amour du risque au final. Mais bon. Tu l'as fait deux fois, tu perds un point d'XP. Non mais c'est Obi qui l'a fait la première fois. Moi c'est juste que je le rappelle l'amour du risque. Voilà. Fatigué. Bon, c'est ton affaire, hein, Lina. Bah, on peut faire ça, ouais. On peut faire une opération. Du coup, quand on a la localisation, moi, je rentre. Et vous, vous vous rapprochez. Et vous me dites quand vous êtes prêt. Très quand prêt. Et quand on est prêt, on lance l'opération. Et boum, boum. Vous pouvez essayer de rentrer. Enfin, Juan, tu peux essayer de rentrer, toi. Peut-être. Ça peut essayer de passer, même Denis, hein, s'il est avec les bons colis fichés, il peut se faire passer pour un fan du truc. Non, pas de souci. Le mieux, c'est que. Ce qui a été dit tout à l'heure, en fait, c'est que les blancs ne sont pas autorisés, en fait. Ah, d'accord. Ouais, donc, moi, donc, je peux moi c'est mort. Donc, le mieux, c'est qu'il me faut un conducteur et un lance-grenade. On peut tous les arrêter pour racisme anti-blanc ou pas? Alors, je sais pas quoi répondre à ça. Parce que je pense qu'ils ont le droit, en fait, d'être racistes hein, aux États-Unis. C'est pas le problème. Et bienvenue sur YouTube. Pardon. Mais, non, mais en fait, ouais, moi, ce que je fais, c'est que je demande un lance-grenade, en plus. Pardon ? Non, mais pour lancer des grenades fumigènes. J'ai compris. Mais donc, bon, on lance l'opération ? Bah, on y va, oui. Ouais. Donc, ton collègue, enfin, ton contact reçoit le SMS. C'est un entrepôt. Il te dit, bon, bah, on y va, on est à pied, on a 5 minutes.
Les autres, vous me faites un jet de discrétion. Coordination discrétion ou coordination conduite. Attends, du coup... Je vais prendre coordination conduite. Hein. Ouais, du coup, t'es avec moi, en fait. Oui, vous êtes dans la même bagnole. Ouais. Même bagnole ou même gros blindé Riot. Ah, je sais pas. Parce que si vous êtes dans un gros blindé à Riot, vous êtes un peu plus loin pour pas vous faire trop spotter, en fait. Ça reste à vous. En fait, moi, je préférais qu'on soit dans une bagnole banalisée, ce qui nous permettrait de se rapprocher plus facilement. Et après, savoir où sont les blindés, comme ça, si on a besoin de s'extraire avec Lynn et notre passager non consentant, de rejoindre au plus vite un blindé par rapport à ça. Je vois pas pourquoi tu dis non consentant, je suis sûr que Lynn va trouver des arguments très, très, très appuyés pour lui dire de monter dans la voiture. Alors ça, c'est mon jet de coordination conduite que tu demandais, monsieur Chrome. Yep, combien t'as fait ? 4. Ok. Et évidemment, je suis à côté. Je te fais quand même un truc de... C'est non. Quoi, coordination discrétion ? Non, c'était juste pour la conduite. Non, parce que j'ai le lance-grenade avec moi, donc c'est juste ouais, pour mais ça, il tu vois. Pieds. Ça, oui, il est à mes pieds. Je pense pas que tu fais « Hey, c'est au central ! Regardez ! J'ai un lance-grenade dans les mains ! » Il y a marqué « LPD » dessus. Trop facile. Donc, ouais... Pas de soucis. Lynn ? Oui. En effet, à l'entrée, en gros, à l'entrée, il demande un espèce de mot de passe et il vous fait rentrer tous les deux. Tu vois qu'en fait, il y a pas mal de monde qui rentre. Et tu me fais un petit jet de perception. Il n'y a que des mecs que j'ai coffrés, hein ? Alors, dis-toi que c'est graphiquement, il y en a sûrement quelques-uns. Hé, hey, Lynn ! Dis-toi que ce sont des chauves-souris. Alors, perception à Saint-Flic. Un Saint-Flic, ouais. Il s'est passé combien de temps depuis la partie d'il y a 2 semaines? 24 heures, parce qu'on est resté dans le même créneau horaire, en fait. C'est putain de semaine. Ouais. Ouais. J'ai fait 2 succès. Ok. Je peux dépenser un mois d'ancienneté si. Non, pas besoin. La seule chose que tu vois, c'est que clairement, les gens qui rentrent et les gens qui sont à l'entrée, tu penses qu'il n'y en a pas un seul qui n'est pas armé en fait. Ok, bah, j'envoie un SMS aux autres pour leur dire. Alors la question c'est est-ce que je suis rentré avec une radio ou pas ? Je considère que oui. Alors, pas un truc aussi visible que votre radio actuelle, oui, mais oui, ouais, bien sûr. Un truc dans l'oreille pour communiquer avec tes camarades. Ok, bah je leur dis, je leur présente un peu les lieux, machin, en fait, et en fait... Tu rentres, il y a des gens qui rentrent, tu vois que la réception est assez mauvaise, en fait, à l'intérieur. En fait, tu vois qu'en fait, tout le hangar est fait de métal, et en fait, ça fait cage de Faraday, en fait. Et donc, tu comprends que, ouais, dès que... Si on ferme les portes et tout, c'est fini, quoi, ça va tout couper. Pour le moment, t'arrives encore à peu près à capter et te capte un peu. Ouais, je vais être aux toilettes ou un truc comme ça pour essayer de trouver un endroit où ça capte peut-être, quoi. Mais t'arrives à parler avec eux, mais tu vois que si tu rajoutes à ça après la musique, ça va, ouais. C'est game over, quoi. Ouais. Ils t'entendront, par contre, ils t'entendront peut-être, mais t'es pas sûr de les entendre eux. Moi, j'envoie des SMS au pire. Hein. Non, mais c'est juste pour te dire que voilà, c'est. C'est pas des bonnes choses. Ça sera peut-être un peu mieux. Ouais. Voilà, c'est ça que je voulais. Voilà. L'idée, c'est qu'avec mon compte, il va me servir de... Enfin, il s'est passé pour mon mec, je suppose. C'est peut-être le plus simple. Non, juste que t'es un pote et c'est tout, en fait. Ok. Mais du coup, moi je m'en profite. J'essaierai de me faufiler pour être un peu devant la scène, en fait. Ou assez proche. Alors, ce que tu vois. Déjà, il y a beaucoup de monde. On est sur plusieurs milliers de fans qui sont en train d'arriver et de remplir. Il y a bien une scène. Alors, c'est une scène assez précaire, hein, sono minimal. C'est très roots sur la scène. Mais elle est un peu en hauteur, mais ouais. Donc, tu te rapproches de la scène ? Ouais. Ok. Pour le moment, en fait, sur la scène, t'as deux musiciens en fait qui sont en train de répéter, mais t'as pas le rappeur.
Je vais essayer de voir si je trouve un endroit qui gère peut-être les éclairages ou quelque chose comme ça. Là où il y a des câbles électriques qui passent peut-être sous la Seine ou sous le... Oui, souvent ils mettent des câbles avec du scotch là pour du gaffer pour pas que les gens marchent dessus. Enfin, pour pas que les gens s'embrochent quoi. Si je trouve ça, j'essaie de voir si j'arrive à déterminer lequel gère l'éclairage quoi. On fait un jet de perception. D'abord de coordination discrétion. Il y a pas mal de monde donc. Coordination de discrétion. Ouais. T'arrives à peu près à te faufiler et tu me fais un jet maintenant de perception électrique. Même si ça serait électricité, mais bon, je vois pas ce que je peux faire de plus que ça. Ça fait une bonne occasion d'utiliser. Par contre, t'as un dé bleu en plus. Ouais, bah j'ai 3 succès du coup. Clairement, pour ce qui est de l'éclairage, tu vois que c'est derrière la scène en fait. Le truc est assez route. Il y a un panneau électrique derrière la scène où les mecs en fait poussent l'éclairage à la main dessus. Potentiellement, si je lui tire dessus, bon. Il y a peut-être. Il y a une petite part de hasard sur le panneau électrique si tu tires dessus. Ça dépendra de la marge de réussite, quoi. Il y a des machines à fumer, des choses comme ça, qui pourraient me cacher ? Machines à fumer, non, clairement pas. Il y a des machines à fumer, elles sont humaines et dans le public actuellement. Oui. Mais ça sera pas suffisant pour te cacher, là, pour le coup. Clairement. Et puis, il risque aussi, en fait, c'est bien avec ces machines à fumer, c'est un truc de surveillance en même temps. Voilà. Ben. Bah, j'essaie de m'enseigner si les gens connaissent le programme, à quelle heure ça démarre. Voilà quoi. Ok. À ce moment-là, tu vas me faire du popcorn. Ça va être quoi ? Sang-froid déguisement, en fait, pour le coup. Tu t'adresses à des gens, ils te connaissent pas. Plus déconnant. Pas le plus. Enfin, comme t'es déguisé, ça me paraît le moins déconnant. Vas-y, c'est simple, hein. Il te faut rentrer au milieu d'eux, t'es leur nouveau pote. C'est tout un groupe en fait de gangers. Tu reconnais leur couleur. Bon, clairement, ils ont deux sujets de discussion là. C'est le concert et la lutte contre les blancs. Enfin, je déconne pas, hein. C'est Et je leur montre ma carte du Gugus Clan, non. J'ai perdu toute foi en moi, je veux mourir. Ah, c'est sûr que tu mets le Gugus Clan et eux ici, ça fait des étincelles. Hein. Oui. Ah, c'est une idée. Ouais. Dans tous les cas, Donc en fait, t'es un petit peu au milieu de la foule quand même, hein. Il y a pas mal de monde qui est arrivé. Comme ça, tu me fais un petit jet de perception pure, en fait, pour estimer à peu près combien ils sont. Comment dire. Et du coup, avec ma nouvelle bande de potes, est-ce qu'ils savent si c'est possible d'avoir des accès en backstage pour aller rencontrer le chanteur et tout, parce que je suis un gros fan Ils te disent que clairement, il y a carrément moyen, en fait. Hein. Il est super cool. Si t'es un gros fan et que tu restes avec eux... Je me suis renseigné avant hein, sur les morceaux qu'il a fait, etc. quand même. Hein, je veux dire, ouais, un petit peu, ouais. Tu voulais chasser un G pure, ouais. Perception pure. Deux. Ah, tu dirais qu'il y a un bon 10 000 personnes dans la salle, en fait. T'es blindé de chez blindé. Et surtout, que ce soit tes amis qui sont là ou les autres, tous ces gens sont armés et pas que des flingues. Hein. T'as de l'arme de guerre, t'as du pistolet mitrailleur, Ouais. Ah, disons que si t'avais les effectifs de police suffisants, y a de quoi faire un gros gros coup de filet, mais là t'es seul au milieu d'eux. Oui. Pendant ce temps, à l'extérieur. Denis, Juan. Ouais. Lynn communique avec vous, que ce soit pas... Mais c'est très espacé et vous l'entendez assez mal. Il y a plusieurs fois que vous avez posé des questions, elle n'a pas répondu. A priori, ça capte très très mal. Mais en même temps, elle vous l'a dit. Bon, nous, on va essayer de se rapprocher le plus proche possible sans rentrer dans la Danger Zone. Ah bah, le plus proche possible, c'est simple. C'est le seul hangar où il y a trop de monde autour pour rentrer. Génial. Orthophoniste. Orthogonal.
Orthométrie. J'ai pas compris la blague, là, pour le coup. Ah, rien. Là, c'est parce qu'ils en ont pas ornithorynque. Donc, ouais, c'est ça. Des mots qui commencent un peu comme ornithorynque, mais... Ornithoptère. Ah, ouais. Ornicar. Bref, ça va quand même être chaud pour se pointer rapidement, quoi. Donc, dans tous les cas, Lynn, tu as le rappeur qui est en train de monter sur scène et qui est en train de chauffer la foule. Et la musique commence. Ok. Cool. Ah, c'est con, j'aurais peut-être dû prendre un repéreur GPS ou un truc comme ça. Hmm. Non, tu peux essayer de hacker son micro Bluetooth pour chanter autre chose. C'est cool. Pas du Bluetooth. c'est très route de ce qui est marqué. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Donc, une scène précaire. C'est un concert hargneux, engagé, multipliant les appels à l'insurrection, à l'union des peuples noirs. Tous pourront constater une certaine évolution de la ghetto star, tant d'un point de vue des textes que de la musique. Un son toujours aussi violent, mais plus dépouillé, principalement des boucles de percussions africaines, des lyriques ravageurs, se faisant laissant un écho d'un certain mysticiste. C'est clairement, il a changé de style par rapport, parce que vous avez pu trouver des enregistrements du gars. Ouais, il a changé de style et il est déjà qu'il était, bon, il est recherché et il était déjà militant, mais là, ouais, là il a. L'appel à la révolte armée, hein, tu es entouré de gangers black qui sont bien bien chauds là et bien bien armés. Lynn ? Ouais. Oui, moi je joue la comédie, hein, donc pareil. Hein, je... Ouais, ouais, c'est trop bien. Bon, j'essaie de me faire un peu oublier quand même, hein, histoire de pas trop attirer l'attention sur moi, quoi. Oui, mais, tu montes pas sur scène et tu ouais. Sautes pas dans la scène. Hein. Mort aux flics. J'attends une opportunité, en fait. Je pense que j'envoie un SMS pour voir combien de temps ils mettent de temps à répondre, en fait. Pour essayer de voir comment c'est ce que ça passe un peu les SMS. Ouais, 30 ça passe, mais tu dirais qu'ils mettent une petite 30 secondes à répondre en fait. Ça non, a du mal à passer, clairement. On répond en 15 minutes. j'enregistre, je pense, un petit peu, ce que j'ai mon téléphone, le concert, quoi. T'es pas la seule personne à enregistrer, donc ça passe inaperçu. Ouais, ouais. Après, comme ça, au moins, j'ai des preuves, quoi, même si... Pendant ce temps, à l'extérieur, à la radio, t'as plusieurs fréquences de la police qui s'affolent en disant qu'il y a un concert illégal à Watts et qu'il faut envoyer une troupe d'urgence, que les voisins se plaignent, que en gros, clairement, c'est en train de s'agiter dans tous les sens pour dire c'est le bordel, il faut envoyer des gens. Denis envoie un SMS à Aline pour dire qu'il faut qu'elle se presse parce que ça va bientôt dégénérer. D'accord, j'envoie à Aline le SMS suivant. Lynn, deviens un agrume parce qu'ils sont en train de devenir dégénérés. Non, tu n'envoies pas ça, s'il te plaît. Oh, zut. Ouais, mais il n'y avait pas meilleur code quoi pour dire de se presser. Tu es comme le citron pour décès. Voilà. Tu peux dire ornithorynque, hein. Et Lynn comprendra. Sinon, si vraiment tu veux qu'elle soit pressée, elle se presse. Et les Denis qui regarde droit dans ornithorynque 1 ou 2 Y. Moi, ils répond 4. Ils ont 4, ce sera plus sûr. Oui, Lynn. Ouais, moi je sais pas comment je réagis parce que, dans les faits, pour moi, le danger il est à l'intérieur. Il est peut-être pas à l'extérieur, tu vois. Non, mais j'explique un peu quand même qu'à la radio, c'est en train de s'affoler parce qu'il y a des voisins qui se plaignent. Oui, moi je te réponds que s'il y a des gens qui débarquent, tout le monde est armé là dans le coin. Hein. Donc. Qu'est-ce que vous dites à la radio ? Denis et Kylian, Cops, on est déjà sur l'affaire, n'intervenez pas. T'as une réponse du truc qui vous dit vous êtes quoi, t'as le central en fait qui demande combien vous êtes sur l'affaire exactement.
Alors, si je dois compter les trois unités de la risque. À ce moment-là, le lieutenant de la risque qui prend la parole et qui dit. Il redonne aussi le nombre d'unités, qui demande des renforts. A priori, on a une émeute armée qui se prépare. Aussi, j'avais oublié ce détail. Ce petit détail. La réponse du central. Ils étaient au courant, en tout cas, qu'il y avait un truc qui se préparait avec le risque. Et il y a une trentaine d'unités ainsi que trois hélicoptères de l'ASD qui arrivent sur site. Bon, on n'est pas loin de la frappe laser Air orbitale. Support Division. Ah, bah voilà notre support aérien depuis le temps qu'on le demandait. Bah, en même temps, c'est pas comme si t'avais un contact chez eux. Hein. Oui, c'est vrai. mais alors, pourquoi je l'utilise pas? Parce qu'en fait, la contrepartie est un peu trop cher payée à mon goût. T'as qu'à la négocier avec la personne en question. C'est pas faux. Bah, faut que tu couches avec elle, hein, c'est tout. Hein. C'est ça, trop cher prix. C'est ça. Voilà. Donc, voilà ce qu'on vous a dit. En gros, il y a 30 unités de police qui sont en train d'arriver, ainsi que 3 hélicos. Ah, ça peut être le moyen de faire diversion. On peut sortir de la bagnole et commencer à dire que on a écouté les fréquences de police et que les flics arrivent, et donc commencer à faire... Non. moi, je vais bouger pour me rapprocher de la scène et peut-être pouvoir essayer de me faufiler dans les backstage ou autre. Quoi. Ça va être tendu parce qu'en fait, la scène fait vraiment la taille du truc. Alors, c'est tendu, c'est réellement tendu. Bah, et sinon, ce que je propose. L'idée c'est que si les sirènes commencent à résonner et que tout le monde se retourne en mode vénère pour aller leur tirer dessus. Moi, je suis dans leur dos, et du coup, je peux aller arrêter le rappeur. Et nous, on fait une entrée fracassante. T'as laissé faire un multifrag. Non, mais sinon, moi, j'ai une idée aussi. On fait une entrée fracassante, on arrive avec la voiture sur la scène, en passant à travers le mur. Why not? La question est-ce que tu veux t'en sortir vivant ou pas? Bah, j'ai confiance en Juan. Est-ce que t'as confiance en plus de 10 milliards armés de Kalachnikov? Alors, et la voiture. C'est pour ça qu'on va peut-être changer de véhicule en cours de route. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, vous n'avez pas le temps d'entrer au central changer votre véhicule. Ouais, j'allais dire, ça va être compliqué. Non, mais par contre, on peut toujours demander le quatrième camion du risque. De le faire avancer jusqu'ici? Il y a le capitaine du risque qui vous demande le go pour le début de l'intervention. En vous disant que vous avez votre collègue qui est à l'intérieur et que c'est lui qui est le plus en danger. Elle. Oui, mais votre collègue. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? On lui répond qu'on a un quart d'heure de battement. Non, on donne le go. Parce que il faut qu'on anticipe là. Vu comment ça va commencer, ça va évoluer, il faut qu'on anticipe. Donc. Lynn. Ouais. Et balance à Lynn qu'on lance le truc, quoi. Ornithorynque. Le concert est en cours face à toi. Tu vois qu'il y a trois gros bras qui montent sur scène pour aller parler au rappeur. Au moment où t'entends que tes collègues sont en train de lancer l'assaut. Il y a une taupe. Ok. Je sais pas quoi faire, moi, là-dedans. Oui, je me dis, c'est un peu compliqué. Ben ouais, j'essaie de me rapprocher un peu, de voir s'il y a une opportunité de... Est-ce qu'il y a une voiture qui est à portée, quoi? Est-ce que... Tu grimpes sur la scène, tu vas le voir, tu tends le bras et tu lui dis « Suis-moi si tu veux vivre ». Ça marche à tous les coups. Ça serait tellement drôle. je vais dépenser un point d'ancienneté, non? Combien? Un Non, avec un point d'ancienneté, ça sera pas suffisant, même si ça fait une fois deux pour toi. Ça marche pas. Pour le coup, tu vois pas d'opportunité. Ce qui se passe, par contre, c'est que le gars, il est vénère, il prend le micro, il dit « Les flics arrivent! C'est prêt pour la révolution !» Et t'as les autres qui sont « Ouais, ils tirent des coups en l'air !» Et ça commence à être le gros bordel autour de toi. Ce que tu vois, par contre, c'est que le gars, il a crié à la révolution, mais il est en train de partir vers les backstage escorté de ses gros bras. Moi, je suis ça. Ok, d'accord. C'est le moment de balancer Ornithorynque au carré. Si tu nous préviens, Aline, je fais un truc. Très bien, je pense. Ah oui,
moi je vous préviens. Hein, de toute façon, okay. De toute façon je suppose que, enfin, je vous aurais expliqué, je vous ai expliqué comment la disposition de la scène. Mmh. Du coup, je pense que vous avez accès aux routes qui mènent à l'endroit où il y a la scène, quoi. Donc ouais, par rapport au hangar, vous pouvez vous diriger vers, mais, vers le côté scène, quoi. Attends, est-ce qu'on a le, est-ce que vu qu'on a l'opération et compagnie, est-ce que je peux avoir une ligne directe avec le gars de la risque, enfin le responsable de la risque. Bien sûr que t'as une ligne directe avec lui. Ouais, j'ai une ligne directe avec lui, et puis j'ai fait, vu ce que vient de nous dire Lynn qui est à l'intérieur, il y a une taupe, il y a une fuite juste au moment où on a dit qu'on a lancé le truc. Ok, ils avancent direct alors. Préparez-vous, ça va se tirer dans tous les sens. Hein. Évidemment, faut que vous soyez côté scène, comme ça, vous le verrez partir, quoi, si moi j'ai pas le temps. Ouais. Je le préviens aussi que nous, on va aller côté scène pour essayer de l'arrêter. Alors, plutôt court ou plutôt... côté jardin. Ok. Lynn, tu me fais un jet de perception, clairement. Si tu veux aller vite, t'es obligé de monter sur scène en fait là pour le rattraper. Oui. Bah oui. C'est simple, hein, tu tombes sur un gars de la sécu qui te fait non. Genre non, il veut te pousser quoi dans la fosse. Eh ben réflexe. Corps à corps. Ouais. Ouais, bah pas de soucis, vas-y. Non, point d'exclamation. Bah ça va être la même en gros. Vous êtes en train de. Je sais pas c'est quoi c'est. Vas-y, pour l'ancienneté, pour passer. Vas-y, ouais. C'est quoi que t'as ? Projection, coup... c'est immobilisation. Ouais, donc tu fais une grosse clé de bras, genre non, tu me laisses passer. Ouais. Ok, ce que tu vois, le il gars... Il a une arme sur lui ? Il a une arme à l'intérieur de son... il a une arme dans l'intérieur de sa veste. J'ai pas assez... Je te demande de refaire... Ouais. Non, c'est chiant. J'ai pas le temps. Ce que tu vois, c'est que le rappeur en question, il passe une porte qui a l'air de donner sur, c'est un hangar, donc c'est on dire un préfabriqué dans le hangar. Ouais. Il doit lui servir de loge en fait, qui est un petit peu en arrière. Et il y a une possibilité qu'il y ait des portes de ce côté-là pour sortir. Mais donc tu le perds de vue pour le coup, mais je vais faire pareil, hein. Je vais continuer ma route et puis. Ok. Tu considères que j'ai une arme moi ou pas ? On a pas parlé, mais. Moi, je considère que t'es pas rentré à poil parce que. Ça m'a semblé assez logique aussi. Mais. Ouais, Et surtout, ton contact t'a pas dit que tu devais venir désarmé, donc. Pour moi, t'as une arme. Alors j'ai pas le compact uni parce que c'est forcément, ça. Voilà. C'est gris. voilà, mais j'ai le rigueur, quoi, je pense. Ouais, complètement. Ok. Bah, du coup, je sors mon arme et puis j'avance, quoi. Enfin, je la sors pas de façon évidente, mais je la. Je te rappelle que l'autre qui est à côté de toi, il est pas KO, hein. Il est juste, tu as fait une clé de bras. Donc, tu sors ton arme en le tenant sur une clé de bras. En fait, ce que je voudrais faire, moi, c'est pousser, en fait, le dégager pour qu'il le balancer de la scène, quoi. Ouais, pour qu'il perde du temps et qu'il soit emporté par la foule, quoi, entre guillemets. Comme l'oiseau. Ok, tu me refais le jet de corps à corps, il refait aussi son jet. Si c'est réussi, il dégage de la scène. Voilà. Non, vous commencez à vous foutre sur la gueule, en fait. Lui, il va au point et il te met une droite, en fait, hein. Et surtout, en fait, tu vois qu'il commence à avoir d'autres personnes qui montent sur scène, qui sont chauffées à blanc. Mais je sais pas si... En fait, tu reconnais en fait les mecs avec qui t'as sympathisé. En fait, ils viennent t'aider, en fait. Bah ouais, je leur dis, aidez-moi là, ce connard, il veut pas me laisser passer pour aller voir machin Bob, là. Ils sont en train de se battre avec le mec de la sécu. Pendant ce temps... je leur dis, vous êtes cool, les gars. Pendant ce temps... C'est juste ignoble. C'est qui conduit ? C'est Juan ? C'est moi, ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Je sais qu'il essaye de se barrer. Je suppose qu'il va essayer de se barrer par un des... Par l'arrière, en fait, du bâtiment. Ouais, c'est ça. Sachant que, en gros, quand tu vas arriver, il va se passer 10-15 secondes avant que les premiers mecs du risque arrivent. Donc, vous serez la première voiture sur place.
Ouais, bah je pense que je vais me pointer justement avec la bagnole, et si je vois une bagnole sortir, je vais la bloquer carrément. Ok, à l'arrière du bâtiment, en effet, il y a une voiture qui sort. Et ben, on va s'arranger pour Bah, l'immobiliser. tu te mets devant en fait, hein. Ouais, La rue n'est pas c'est. assez large, c'est une rue, une voiture, tu te mets devant. Voilà. Ok, alors autour de toi, Fais comme il y a si quand même une tu petite galais. foule hein, déjà qui est autour du concert, qui sont bien sortis, qui ont sorti leurs armes, et ils n'ont pas spécialement fait gaffe à toi. Mais ils sont là en train de commencer à se disperser en fait dans le quartier en mode ah! La Alors. voiture en question à côté de toi, tu vois deux personnes à l'intérieur blanches, la trentaine. Ils sont là genre ils voient les Blanche. mecs, ouais, blanches, deux blancs, et ils sont là, ils voient les mecs ils les ont pas vus. Toi, ils t'ont vu, ils sont là, ils commencent à faire une marche arrière en fait. Parce que en fait, ils t'ont vu toi et ils se disent qu'ils sont dans la merde là. Tu viens de les bloquer devant. Qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, je serais bien parti pour continuer à avancer en fait. J'allais C'est-à-dire sortir, mais quand je vois qu'il recule, je continue à avancer. vers eux en fait, tu rentres dans la même rue qu'eux? Ouais, exactement. Ok. Si c'est la rue de l'entrepôt, hein. Ouais, Oui, tout c'est à la fait. rue qui passe derrière l'entrepôt. C'est une rue où il n'y a qu'une seule voiture. Et voilà. Bon, bah, va falloir que je m'équipe de mon Afrikaner. Oui, assez rapidement. Non, mais je le sors, mais je le. Tu sais, je sors Tu le sors et tu discrètement l'armes, quoi. pour le moment, et puis je suis prêt Ok, à tirer Lynn. si ça nous tire Oui. dessus, quoi. Ils sont en train de s'occuper parce qu'il y a d'autres gars de la sécu qui sont en train de débarquer. Ça se fout sur la gueule sur la scène avec tes potes, tes nouveaux potes. Ouais, bah moi j'essaie d'esquiver, tu vois, Oui, tu vas aller vers le backstage. Ouais. Ok, pas de soucis, il t'ouvre la voie en fait. Oui. Ah. Un œil sur la guitare, un autre sur la bagarre. Waouh, C'est waouh. quoi en J'essaie fait de rentrer là? dans le préfabriqué coulisses Ok. loge, quoi. Tout de suite, l'entrée du préfabriqué est juste fermée à clé. A priori, ils ont juste fermé derrière eux. Ah, c'est à ce Ouais, mais moment-là c'est un qu'on regarde. préfabriqué, non? Ouais, bah, ça veut dire qu'il faut forcer en fait. Oui. Il y en a un gros coup de latte dedans, ça s'ouvre, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je veux Oui. juste que. Ok. Que je fais? Bon, stop! Bah, si j'essaie de faire pas trop bruyant, tu vois, genre je mets l'épaule en force et puis tac, Ouais, alors, t'as tu vois. toujours le bruit de la musique en fait qui tourne parce que c'est des samples. Bon, T'as ça le va. bordel ambiant. T'inquiète pas que ça s'entend Ça va. pas. Plus les mecs qui tirent en l'air, non, c'est bon, ça va aller. À l'arrière, le véhicule continue sa marche arrière. Vous passez à côté d'une cour en fait qui est en gros sur la partie droite du bâtiment, enfin du truc, et où il y a plusieurs véhicules de garés, dont un ou deux véhicules qu'on pourrait dire d'équipe technique. Ça fait une espèce de cour. Bah, je pense que je vais piler là. Bah, ce que vous voyez, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sortent en fait. Certains vont vers des voitures. Enfin, un petit jet de perception instinct de flic pour repérer la personne que vous cherchez. Ouf, là, je pense que je vais cramer mon point d'ancienneté, tu vois. Alors, ça dépend si tu réussis ou pas. Ah, J'ai oui. trois réussites pour ma part. Alors, attends, je vais essayer perception et instinct de Et c'est moi flic. qui dis si tu. Allez, perception instinct de flic. 4. Alors, vous le voyez pas. Et je te donne ta parole pour griller ton point d'ancienneté. Comme ça, en fait, vous mettez dans un coin, parce que bon, c'est quand même un peu le chaos. Et derrière vous, vous entendez en fait les voitures du risque qui sont en train d'arriver et qui sont en train de se mettre en formation. Bon, je veux. Là, tout de Denise, suite, balance Aline vous le qu'on voyez trouve pas. pas en fait. Il est quelque part, mais on le voit pas. Après, il y a plusieurs voitures. Il y a déjà des gens qui étaient sortis avant même que vous arriviez. Clairement, pour sortir comment s'appelle? De cet endroit, il y a la voie d'où vous êtes arrivé, la voie où il y a l'autre voiture qui est en marche arrière qui continue, et c'est tout. Il n'y a que ces deux accès. On le voit pas. Ok, bah Ouais. je vais rattraper la voiture qui est en marche arrière pour avancer, À pied? parce que si on ne le voit pas là, on devrait le voir sur Bah nous, en non. fait. En voiture, j'essaie de comprendre. Peut-être que c'est un des deux blancs, en fait, parce que peut-être qu'il fait comme moi, il se maquille, en Ici. fait. C'est ça? Tam tam. Tam tam What tam. François. On le Ouais, trouve pas, on trouve pas Fantomas le mec. version rap. C'est ça. Lynn. Ouais.
Perception instinct de flic quand tu rentres dans l'endroit. Oui. Pas le jeu où je suis le meilleur. Hein, mais... Difficulté 3. Instinct de flic ? Ouais. Putain, 2, ouais. Ah. Tu te fais tirer dessus ? Ah oui, tu te fais tirer dessus, en fait. Pied droit, 8 points de dégâts. Tu peux répliquer. En fait, t'avais un mec qui a vu la porte sauter et qui a tiré par réflexe rapidement sur toi, en fait, sans même chercher à comprendre. L'instant fixe, c'était juste pour le repérer parce qu'il était un peu planqué. Ok. Ouais, bah... Locke ? Oh, pas de soucis. Pas de soucis. Il a une... Ah non, il a rien. Bon, bah du coup... Bon, c'est pas joli hein, comme j'ai, mais... Après, il a 18 points de vie, tu lui enlèves 17 d'un coup, je considère que... Ouais, il est peut-être pas mort, mais il va... S'il reçoit pas des soins rapides, ça va pas être... ouf. Clairement, il est hors d'état de nuire. Bah, je continue à avancer, je sais pas où... Alors, clairement, l'endroit, c'est un espèce de truc de studio improvisé. Et en effet, il y a une double porte qui mène, qui a l'air de mener vers l'extérieur, vu que tu vois la lumière en fait filtrée par la double porte. Ouais. Vers des phares parce qu'il fait quoi, il fait nuit en fait. Hein. Bah je sors. Tu regardes. En boitant. Tu sors de... Ouais, je vais sortir. Je vais regarder quand même histoire de. Tu vois que de toute façon, il y a par la fenêtre, il y a des, comme je dis, il y a des lumières et tu vois qu'en fait, il y a des lumières qui bougent, clairement des phares qui bougent en fait. Ouais, du coup, je sors, pas moyen. Si je vois qu'il y a des lumières qui bougent, c'est qu'il y a des voitures qui se déplacent, donc. Ouais. Je sors. Ok, tu sors. Pendant ce temps, vous, les deux autres. Bah, je rattrape la voiture qui était en marche arrière parce que je suis. Ah bah, elle continue. La peur, elle continue encore d'aller plus vite en fait. Tant mieux. Elle se plante dans, en fait, elle bloque l'allée. Cool. Ah, se planter. Bon plan. Bon plan, c'est déjà ça de prix. Est-ce que tu veux que j'aille vérifier l'identité de ces deux personnes? Par contre, pendant que vous faites ça, en fait, il y a trois voitures qui sont passées derrière vous, y compris la route d'où vous venez hein, pour sortir. Trois véhicules qui sont partis, mais ouais. La cible n'est pas visible dedans. Pour le coup, avec les phares des véhicules comme ça, t'en sais rien. Ouais. Trois véhicules sortis à tel endroit, machin. Bah attends, de toute façon, là, c'est bloqué. Donc, moi, je vais partir en marche arrière, parce que je suppose que je peux pas faire le demi-tour. Tu bloques l'autre côté, c'est ça? C'est ça. Jusqu'à remonter, justement, jusqu'au coin pour faire demi-tour et essayer de reprendre les bagnoles. Tu te barres pour aller chercher les bagnoles? Bah, de toute façon, la voiture vient de... qui était juste en face de nous en marche arrière, elle bloque complètement le truc. Elle n'a pas sens. Bah, sauf si elle avance, sauf si elle manœuvre, elle débloque. Ok, tu fais une marche arrière et tu repasses donc devant cet endroit où il y avait plusieurs voitures. Il y a d'autres voitures qui essaient de passer. Tu vois Lynn aussi qui vient de sortir du bâtiment. Ah bah je pile carrément. Comme alors, ça, je dis à Denis. Je considère Lynn. Que tu bloques on va dire là où sont parties les autres voitures. Et ce qui fait qu'en fait, t'as les voitures qui sont devant toi, t'as les mecs qui sortent et qui commencent à déjà t'insulter, mais arme à la main. Genre, casse-toi, connard! À qui il dit ça? À moi. Bah, à Juan. À Juan. Okay. Bah, moi, j'ai profité pour avancer. Et puis, il y a moi à côté, avancer, hein. Je rappelle. Hein, j'ai pas entendu. Lynn, qu'est-ce qu'elle fait? Moi, je continue à avancer. Bah, ce que tu vois, c'est une cour avec plusieurs véhicules qui sont en fait en mouvement. Et en gros, les deux seules sorties de la cour, qui sont des voies en gros à sens unique, elles sont d'un côté bloquées par une voiture qui s'est plantée et de l'autre par Juan qui fait des appels de phare. Et ça a l'air de beaucoup énerver ceux qui veulent se barrer. Et est-ce que moi je peux piquer une voiture ou pas? T'es pas sûr avec des clés? Bah si tu redégages son occupant. Ah, c'est pas comme ça. vous comptez... J'ai une situation avec le flingue et puis voilà quoi. Je vais vous lire vos droits express. Vous comptez deux voitures en mouvement qui veulent sortir. Mais est-ce qu'elles sont à portée de tir ces voitures? Carrément. J'ai une question. J'ai essayé de garder quand même en visu les deux pecnos qui étaient dans le Ils ont abandonné la voiture en fait. Hein. Ils sont barrés en courant et partis se cacher. Il y en a un qui a sauté dans une poubelle. D'accord. Bon, par contre, tout ce qui m'intéresse, c'est qu'ils bloquent le truc. Donc au moins maintenant, on bloque tous les trucs, c'est certain. Au pire, je vais dégainer mon arme là parce que ça commence à chauffer.
Bah, Didéa, elle est pas blindée, il est pas blindé ce véhicule. Non, je sais, c'est pour ça qu'il faudrait t'en sortir rapidement. Les mecs du crash qui vous disent qu'ils ont bloqué trois véhicules qui passaient dans, qui voulaient sortir de l'allée et qui vous entendez des coups de feu juste à la suite de ça. Et ça vient de l'allée derrière vous, Juan. Ok, donc je pense qu'ils ont intercepté les trois voitures passées. Moi, qu'on a intercepté deux véhicules et on va procéder à une arrestation. En termes de timing, est-ce que j'ai plus le sentiment que la personne qu'on recherche est dans les deux voitures qui sont coincées? Franchement, les deux sont possibles. Que ce soit les trois voitures qui sont là où il y a le risque ou les deux qui sont devant toi. En termes de timing, c'est tellement serré que pour toi, les deux matchs. Mais dans tous les cas, il n'aurait pas eu le temps de se démaquiller. Si non. C'était un blanc. Ah non, clairement pas. On est d'accord. Bon bah, coup, je vais aider Juan, parce que là, du coup, on se resserre sur les voitures. Ouais. Bah en fait, on a un qui Django te menace. Il a sorti un Uzi, il commence à te dire « Dégage ou je tire !» Toi, ton arme ou lit de tir. Si j'étais toi, j'éviterais. Putain, pas, il tire dessus, il a vu un blanc. Ah oui, merde, putain. Et ouais. Putain. Ah oui, non, pan. Je crois que c'est parti, là, ça a fusillé. Oh la vache. Ah bon, vous avez vos uniformes? Oui. Ils ont leurs uniformes. Tu me fais ton uniforme, s'il te plaît? C'est combien? C'est 2D6. Hein. Non, c'est un D6 plus 6. Ouais. C'est un D6 plus 6. Ouais. Allez, il faut que je fasse 12. 10. Ouais, c'est déjà bien. 10, ouais, mais il y a des plus à faire, en fait. Ouais. Mais c'est dommage. Ça fait 10 dés, les gars. Les dés sont pas explosifs sur les dommages. Parce que... Oh putain, mais 6 explosifs, c'est violent. Hein. Ça peut aller très vite, hein, 6 explosifs en plus. Hein. Ouais, attends, oui. J'ai envie de dire aïe et PAN! Ah bon, bah, de nous, ça va. Il y a deux cibles qui sont visibles, qui sont les deux conducteurs qui ont sorti leurs armes. Il y en a un qui a déjà tiré sur Denis. Qu'est-ce que vous faites? Lynn d'abord. Parce que, moi, je vais en tirer sur celui qui a pas encore tiré, je pense. Ok. Histoire de pas qu'il tire sur Juan. Mm-hmm. Moi, à l'inverse, je vais tirer sur celui qui a tiré sur Denis. Et Denis, moi, je tire sur celui qui m'a tiré dessus. Denis, tu as dans tes mains un lance-grenade. Non, j'ai dit que j'avais l'Africaner. Son Africaner, il a dit qu'il préparait son Africaner. Oui, il a dit. Attends pour moi, je vais zapper. Vas-y, à tous. Hein, coordination, tir. Coordination et tir. Il lock et puis... ils ont pas de temps mal. Hein, donc j'attends que Lynn finisse. Au revoir. Ouais. Il vient de perdre plusieurs organes. Ok, là, comme ça c'est mon 4 succès. Est à tirer... deux pour les toucher. J'attends que Juan finisse. Lock. Et bras gauche. C'est pour plus qu'il passe les vitesses. Exactement. Tchè, tu peux plus passer les vitesses. Ouais, allez, tu peux faire les dés, Denis. Allez, moi... Ça touche, lock. Ah ouais. Il y a quand même un acharnement. Il passera pas les vitesses, lui. À mon avis, il pourra plus jouer de la guitare. C'est 3D6, hein. Ouais, 3D6. Ok. Mais, enfin... Moi, je passe la vitesse avec le bras droit, hein, mais... Ah oui, c'est vrai. C'est pour peu qu'il tienne le volant. Pendant qu'il passe une vitesse. C'est vrai, c'est pas faux. Dans tous les cas, il est mort, en fait. Hein, Ah bon? Oh. Ah oui. Bah, il conduira plus. Ah oui, il conduira rien, ouais, là... Ok, les deux véhicules sont à l'arrêt. Je suggère, Lynn, de faire un coup d'engueulade pour stopper les tirs. Bah ouais, on va... Alors là, pour le coup, les tirs, ils viennent plus là où vous êtes, ils viennent de l'intérieur du bâtiment, de l'autre côté du bâtiment et de la ruelle derrière vous. Là où vous êtes, il n'y a plus de tir. Il n'y a plus de tir, mais bon, ça résonne quand même. Donc, le plus proche de nous trois qui est, le plus proche qui est de l'affrontement avec le risque, je lui demande d'y aller, en fait. Bah c'est en gros c'est Juan et moi, quoi, parce qu'on est tous les deux dans la voiture, on n'a pas bougé de la voiture. Et ben du coup, Denis, vas-y. Et Juan, tu restes et on s'occupe de vider les voitures, hein, et de vérifier l'intérieur des voitures.
Alors, 5 sur 5, je prends le fusil à pompe dans le coffre. Ok. Oublie pas non plus que je suis pas mal en jogging. Hein. S'il faut courir pour aller sur place, je peux aussi le faire. Mais bon. Oui, mais t'as moins de points de vie que Denis. Donc, Peut-être un peu plus parce qu'il s'est fait toucher par une rafale d'Uzi. Ah non, non, j'en ai toujours 33. Ah putain, l'enfoiré. Bonjour. Ok, bon, bah de toute façon, ça va être. Perception instant flic. Ouais, flingue en main pour approcher des voitures. Attends, avant, réflexe instant flic. Réflexe et instant flic, pardon. 3 succès. Ok, Eline. 3 aussi, pardon. Ok. Clairement, ouais, il y a des gens armés dans la bagnole. L'instant flic, en fait, c'est juste pour pouvoir. Comme ils se sont planqués, ils ne voyaient pas en fait d'où ça vient, et vous arrivez à choper en fait leurs armes et à les désarmer avant qu'ils commencent à tirer, pour le coup. Okay. Ce qui n'est pas forcément très bon. Par contre, il n'y a pas de trace du chanteur. Pendant ce temps, le chanteur n'est pas là. Ah. Merde. Bah, l'aigle, je vais s'est pas posé. Je vais arriver discrètement derrière le premier des trois véhicules. En fait, les trois véhicules, les mecs sont sortis. Et surtout, en fait, déjà, il y a beaucoup de fumée. Et, Ah bah, ils sont là, les fumigènes. Ouais, ils sont là, mais c'est surtout qu'en fait, les mecs en question qui sont sortis des voitures, ils sont englués au sol et au mur, en fait. Ah oh. Et t'as en fait l'équipe du risque qui était devant toi et qui te fait oh, Denis, c'est bon, on a le contrôle. Et tu reconnais la voix, c'est un des mecs du Big Bang, en fait. Oh. Enfin, une des nanas du Big Bang. On va me prêter une de ces grenades. C'est pas des grenades. C'est des projectiles. Ah, faudra me prêter ces projectiles. Ou me dire comment tu fabriques ça. Bon, allez, à plus tard. Non, regarde s'il y a le chanteur. Ah oui, je regarde s'il y a le chanteur. tu fais le tour, pas le chanteur. Ok, il y a un tunnel ou une connerie comme ça. C'est pas le mec que j'ai buté qui était caché dans le... Non. Ah non. Donc je retourne vite de l'autre côté, je vais à la poubelle où il y a un mec qui est caché. Et bah, il s'est chié dessus le mec, mais et surtout en fait tu vois qu'il tient la poubelle pour pas que tu l'ouvres. Vraiment? Oui. Non, laissez-moi, je n'ai rien fait. Non mais je soulève le couvercle avec lui s'il faut. Hein, ouais, donc, bah oui, en gros t'as un illustre inconnu qui est en train de se pisser dessus. Ok, je le sors de et là. Qui fait, sauvez-moi. Oui, 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 vous en faites pas, je suis là pour ça. Je le boucle. Ok. What? Ok, tu le boucles si tu veux. Donc tu le ramènes jusqu'à un fourgon du risque et tu le fous dans un fourgon du risque. Oui, parce qu'il était sur les lieux, on sait jamais, et puis tiens, va là-dedans. Alors, t'as les mecs du risque qui font... Tu veux pas le mettre dans ta voiture plutôt? Parce qu'il schlingue. Non, parce qu'il est blanc et qu'on a une bande de gens racistes qui veulent tuer du blanc. Ah oui, c'est pas con. Ah, oui. J'aurais dû le laisser dans sa poubelle. Oui. J'aurais dû le laisser dans sa poubelle. Bah, du coup, moi je vais faire les 100 pas là pour essayer de trouver le mec parce que. Alors clairement, tu regardes les voitures qui restent, toutes les voitures qui restent. En effet, il y a des gens qui se sont cachés dans le parking, majoritairement parce qu'ils ont entendu les flics. Et il n'y a pas la personne que tu cherches. Le truc, c'est que les gens en question n'ont pas l'air non plus d'être là illégalement, mais certains ont sûrement des armes illégales. Mais qu'est-ce que tu fais déjà de ces gens-là? Ah bah, je pense qu'on va les menotter et puis les attacher dans les bagnoles, carrément. Je dis que je cherche le chanteur machin en montrant une photo et que je monte 500$. Je sais pas comment réagir à ça au milieu d'une fusillade en même temps. Ouais, j'allais dire, c'est... Quelquefois, l'île m'étonne, mais bon... Ok, il y en a un qui te dit qu'il l'a pas vu ici en fait dans le à l'extérieur. Donc il y a bien un tunnel. On va avec Juan, on va rentrer dans. On fait le chemin inverse. On fait le chemin inverse. On va voir s'il y a pas j'ai pas raté un mec qui s'est caché dans un casier. Ok. Vous faites le chemin inverse. Ou... Un petit perception instant flic en même temps parce que vous regardez bien autour de vous s'il y a quelque chose. Pendant qu'ils font ça, ouais. Je pose la question de qui c'est le type que j'ai coffré là. À qui tu poses cette question? Bah celui que j'ai coffré de sa poubelle. Bah, il te dit qu'il a t'as son identité dans le bras. C'est un gars qui venait en fait dans le coin pour aller voir un ami.
Ils étaient deux et ils passaient là dans la ruelle parce que le gars il explique qu'il habite dans le bâtiment qui est au-dessus et souvent ils savent qu'ils peuvent se garer derrière cet hangar parce qu'il y a de la place souvent. Ok, bon, dégagez, récupérez votre véhicule, mais... Ouais, casse-toi. Ah non, 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 il est bien à l'arrière de la voiture de flic, il aime bien là, il est allongé et il se sent beaucoup plus en sécurité que dans sa poubelle. D'accord, bon, bah. N'empestez pas la banquette, s'il vous plaît. Bah, c'est trop tard, il s'est assis dessus. Vous nettoierez la banquette. Restez là. Bon, je rejoins okay. Mes deux collègues. Juan ? Ouais. Là où Lynn a tué quelqu'un, tu trouves en effet, il y a une trappe qui est un peu dissimulée. Tu la trouves, et t'as une échelle en métal qui a l'air de descendre, et ça sent très mauvais en dessous. Oh Lynn, des égouts. On va être obligé d'aller dedans. Super, ouais. Et puis moi j'arrive à ce moment-là. Oh, super, on va la pêche au requin. Je regarde la trappe, je regarde Lynn commencer à rentrer dans le truc et je fixe Denis en l'air de dire on referme et on attend un quart d'heure avant de... Oh là là. On l'a toujours pas digéré, je crois. Mais non, on va essayer de le choper quand même, le mec. Donc je laisse Lynn aller en premier et puis je suis Lynn derrière. Bah en fait, c'est un boyau qui débouche sur un grand égout, en fait, et ça part dans plusieurs sens, en fait. Et réellement, vous avez aucune idée d'où le gars est passé. Et en effet, vous entendez quand même du bruit, mais le truc, c'est que ça résonne partout. Ouais, ça résonne. Bah, de toute façon, c'est simple, il y a deux possibilités, donc il y en a un qui va à gauche et l'autre à droite. Non, non, il n'y a pas deux possibilités, t'as beaucoup plus que ça. Ah oui, il y a tout un réseau, donc... Oui, c'est un réseau. Je préviens, oui, on a trouvé, il est dans les égouts, avec plusieurs... Il y a combien de passages possibles, en fait ? Là où vous êtes, il y en a 4, mais tu t'éloignes un peu plus, t'en auras d'autres, en fait, parce que vous êtes pas loin d'un collecteur, en fait. Collecteur qui va déboucher après sur l'espèce de grande égout à ciel ouvert là de Los Angeles. Ok, est-ce que je peux faire un appel à un ami ? Faire un appel à un ami si tu veux. Oui, parce que en fait, je rappelle qu'on a un détective de l'environnement, Nicolas Lapointe. Ouais, le mec il va t'envoyer boulet à 22h. On peut demander ce que le support aérien se déplace vers les égouts à ciel ouvert, bon. Justement ? Ouais, qu'ils voient s'ils voient pas du mouvement. Ouais. Éventuellement. Clairement, oui, il y en a un qui va y aller pour. Bon, Amstram, Gram, Piki, Koiram, c'est foutu. Clairement, vous ressortez, vous savez pas où il est, et vous prévenez hein, qu'en gros qu'il serait échappé par les égouts. Le risque, il vous dit que c'est trop le bordel pour envoyer des équipes dans les égouts à l'extérieur. Il vous demande en fait de venir en renfort pour aider en fait au maintien de l'ordre, parce qu'en fait là le quartier est en train de s'embraser. Oui, oui. Bah ouais, bon, on va soutenir comme on peut, quoi. Alors, je vous fais pas de jet, et pour le coup, vous passez la nuit à faire du maintien de l'ordre plus ou moins violent, mais la nuit se solde par une vingtaine de morts. Plus de 200 ou 300 blessés. Enfin, ça part dans tous les sens. Et le rappeur en fait s'est barré, ouais. Ah, réussi à se barrer. Putain. Comme à son habitude. C'est pas très très gentil. Hein. Ouais. Dans tous les cas, l'équipe municipale en prend plein la gueule par les médias. Parce que il est dit que c'est eux qui ont coordonné l'assaut et. Clairement, y a toute l'opposition sur le côté. Ils ont voulu faire taire un mouvement contestataire par la force. On avait 20 morts, dont certains qui ont été provoqués par vous. Hein. Ouais. Et par contre, les ventes du rappeur en question, c'est parti, mais c'est bon. Il va se mettre bien. Super. Bon, téléchargement, ouais, ça part dans tous les sens. Ça devient un phénomène de mode. Mais alors, phénomène de mode encore plus extraordinaire. De nombreuses amulettes d'inspiration africaine que portait la star de son concert sont devenues des accessoires du must-have de tout LA. Des gangers de South Central aux surfeurs de Venice Beach. J'aurais dû lui clouer une balle. Ouais, tout à fait.
La marque Tribal Pose, firme californienne ayant moins d'un an d'existence, a vu son chiffre d'affaires multiplié par 10 en l'espace de quelques jours. Certains flics estiment d'ailleurs que se pencher sur les comptes de cette société permettrait sans doute de remonter la piste du rappeur. Oh, c'est logique, quoi. Ouais. Mais ouais. Ça pas. On part sur plusieurs nuits d'émeute. Alors vous faites la première nuit et après on vous demande d'aller ailleurs parce que c'est pas votre boulot de gérer des émeutes au quotidien. Mais ouais, vous passez une sale nuit quand même. Hein, à courir pour aller aider soit des pompiers à s'intervenir, soit pour aider le risque. Vous avez plusieurs cops qui sont dépêchés du SWAT. Et l'assaut sur le Krakow, on le fera sur un autre jour. Du coup, ouais, du coup, oui, ça bouffe le Krakow. Dans les 20 morts de la soirée. Ouais. Est-ce que je peux les comptabiliser comme frag ou pas ? Bah, pas les 20, mais ceux que t'as fait, oui. Bah non, parce que t'es pas seul à les avoir fait pour le coup. Ouais, mais techniquement, c'est par mon acte que les 20 sont arrivés. Là, techniquement, c'est nous qui avons donné le go, donc ça devrait retourner à nous, non ? Oui. Denis, ouais, je vous laisse débattre de ça. Plus, c'est pas faux non plus. C'est moi qui ai donné le go, en plus. Parce que toi, tu conduisais. Donc les 20 plus, reviennent à moi. Moi, je dis que ça revient à Denis, en fait. allez-y, hein. Moi, ça me va, hein, que ça soit en équipe. Hein. On est vraiment en train de se battre pour ça. Ah bah, vous êtes tombé dans le piège de Lynn, hein. Tu sais que je vais même pas les marquer, hein, c'est juste pour pas que Lynn les ait, en fait. Hein. Je comptais pas les avoir, mais bon, voilà. Bah, tu te mets tes frags que t'as fait. Je les ai mis. Ouais, je me doute, hein. Bon bah voilà, pour ce soir, une petite soirée... Mais il y avait moyen de le choper. Pour le coup, je l'aurais accepté. En fait, quand tu es rentré dans le truc, en fait, il y avait deux moments où t'aurais pu. C'est si t'avais réussi à te débarrasser du gars beaucoup plus rapidement. Ça, c'est le mec qui te empêchait d'aller sur la scène. Tu l'aurais vu descendre dans le truc. Et quand t'es rentré dans le bâtiment et que j'ai demandé un jet de perception instant de flic, en fait, t'aurais vu que le mec, en fait, il gardait la trappe. Ouais, je me doutais. Hein. Mais en gros, il y avait deux moments où tu t'as été retardé, donc t'as pas vu où il est passé. T'es arrivé dans le truc, t'as loupé la trappe. Et t'as pas fouillé, t'as directement sorti dehors, donc voilà. Je voulais te dire fouille, mais... Ouais, mais tu peux pas savoir. Ouais, c'était ça. Pour deux, quoi. C'était soit je reste... Après, je mettais le plus de chance de son côté, parce que dans le 10-18, il est censé s'en aller. Mais c'est pas un 10-18 à suite. Donc, mais ça fait un PNJ que je peux me servir plus tard, par contre. Ah bah, crois-moi que si je le recroise, je vais lui casser ses dents. Hein. Seulement les dents. J'ai mis son nom normalement dans le chat. Jebouda, voilà. Super Gangstar. Ouais, c'est ça. C'est Jebouda en fait, hein. Mais c'est pas son nom. C'est son scène qui. On dirait un méchant de Dragon Ball Z, hein. Je veux pas dire. Il y a un peu de ça. Ouais, bah, tu vas boire le malin quand tu vas se transformer en Super Saiyan. Ouais. Bah en tout cas, il a fui devant moi. Hein. Ouais, il a fui devant les flics en général, hein, pour le coup. Mais ouais. Parce que je pense même pas qu'ils te connaissent ou qu'ils t'aient vu. Hein. Certes, mais... Il ne sait pas que maintenant, il est poursuivi par Dean. Sinon, il se rendrait tout de suite. Bah oui. Non, par l'équipe de choc du COPS. Et quel choc. J'irai remercier le crash, là. Le bang, là. Bah ouais, pas de soucis. On leur a accéléré, même si on n'a pas pu l'attraper, au moins ils vous ont fait gagner du temps. Ouais. Et je vais m'excuser auprès du chef du risque qui est avec nous et qui du coup a réussi à le choper. Il n'y a pas besoin de tes excuses, hein, il se dit que la prochaine fois il l'aura. Saleté de Fantomas. je lui dis que ça sera avec plaisir que je l'épaulerai s'il accepte mon service. Ouais. Il l'oubliera pas. Enfin, quand on l'épaulera, il nous a j'aime filé entre les mains. Le travail, un travail fini. Dit-elle en limant ses balles. Bon, bah voilà pour ce soir. Deux petits 10-18. Un pour lancer une enquête et un autre pour lancer un nouveau méchant. Bon, ça va, il est pas trop méchant. Enfin, si, il est méchant par son influence, pour le coup.
Et puis voilà, vous avez pu revoir, parce que j'en ai déjà parlé rapidement, mais les tours de Watts. Ils sont très bizarres. Ouais. Mais du coup, je voulais dire... Ouais, l'enquête, elle a l'air chelou quand même. Ouais. Très. Bref, bon, c'est coupé en fait ? Non, je vais le faire. Je vais le faire. Au revoir les gens, à plus, tout ça, gros bisous. Like, abonnement, commentaire, tout ça, bref. Là, ouais. Tu, tu peux...